Et eh bien le bonjour, bonsoir les amis, bienvenue, bienvenue sur Perlin Galère Gaming. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est parti sur du Hyrule Warrior ce soir. On va le partager en deux le live, on fera un petit peu de Hyrule Warrior et un petit peu de d'Immortal Phoenix Rising si le cœur vous en dit. En tout cas, on va se mettre en plein écran comme ceci. Je vais me mettre normalement le chat juste en face et on est parti pour quelques heures d'aventure. Est-ce que ça va mon Lio? Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous avez passé tous une très très bonne journée? Merci Lio de nous avoir régalé aujourd'hui avec avec un bon petit jeu, avec un petit tricot. Moi j'aime beaucoup quand tu fais du tricot, c'est sérieux. Ça me va tout à fait. J'espère que les vacances se préparent bien pour les autres et que tout va bien pour vous. Salut mon Lio. Salut, salut. Nous avons le diamant de ces dames qui vient d'arriver, le sieur Melio, bien sûr. Salut mon Melio, salut à tous. Installez-vous confortablement, je s'occupe de tout, vous s'occupez de rien. On est parti pour un petit live, un petit grand live même, je dirais. On va se faire du multi-live, j'avais besoin d'un café, donc je suis désolé, mais j'ai pris un petit café. Donc, plein d'aventures s'offrent devant nous. On avait sauvé nos compagnons. Il y a d'autres compagnons qui viennent de nous rejoindre, donc on est quand même assez contents. Alors, beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'ils nous demandent de faire, là? Niveau conseiller 44, retrouvailles avec Mipha, d'accord. Règles particulières, équipe fixe. D'accord, donc il faut qu'on fasse les entraînements peut-être avant. Il doit falloir faire quelques entraînements plutôt avant. Bosquet des sorciers niveau 34. Conseiller, règle particulière temps limité, ok. Est-ce qu'on a quelque chose en particulier ici? Niveau conseiller entraînement de Riju. D'accord, oui. On va pouvoir entraîner nos nouveaux compagnons en fait. Trop de pression sur ta, sur ta session de MK8. Mais en fait, il faut pas avoir de la pression, tu sais. On va y aller tranquille, hein, on va jouer tranquillement, mais vraiment tranquillement quoi. C'est juste un live entre amis et c'est tout quoi. Entraînement de Teba, ok, on a plusieurs choses qui ont été débloquées. Épreuve antique, règle particulière pendant temps limité, ok. Et ça nous fait farmer du diamant par contre ça. C'est plutôt pas mal, je crois qu'il nous manque, est-ce qu'il nous manque des choses, des prérequis? Ouais, alors écoute, on va faire ça déjà. Est-ce qu'on a autre chose ici? Oui, ici il nous manque des choses clairement, donc on va faire ça aussi et ça va nous permettre de compléter un petit peu tout ça, bien sûr, de compléter notre carte. Qu'est-ce qu'on a là? C'est qui? C'est pour Riju. Eh ben écoute, on va faire ça aussi. Ok, ça va nous permettre de commencer un tout petit peu. Tu jouais chez un streamer, d'accord, ok. Ça va nous permettre de commencer un tout petit peu. Continuer, tiens, ça nous ferait upgrader vachement la contrée Gerudo. Mais du coup, alors on va compléter ça. Qu'est-ce qu'on peut acheter? Alors on peut acheter des citrouilles armo, on peut en acheter 10, donc ça on va le faire les gars. Yes papa. Alors est-ce que ça nous a débloqué quelque chose? Peut-être, oui, regarde, ça nous a débloqué ça, donc là on est bien. On fait comme d'habitude, hein, on fait un petit check, un petit tour. Ok, Noya prend des cœurs max. Putain, il a le nombre de cœurs qu'il a, Noya, c'est hallucinant en vrai. Je sais pas pourquoi on l'upgrade autant en vrai. Et pour le reste, je pense qu'il va falloir continuer. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Ok, niveau 44. Bon, ce qu'on va faire, c'est que tu vois, on va venir là. Qu'est-ce qu'il veut nous faire faire? Festival de la danse, d'accord, équipe fixe, niveau conseiller 42, ok, tu sais ce qu'on peut faire, attends, on va regarder, mais est-ce que, oui, on peut changer, est-ce qu'on prendrait pas Sidon pour voir un petit peu son gameplay à celui-là, mais je suis pas sûr qu'il nous plaise vraiment, mais on peut essayer, ou alors on prend Mipha, parce que j'aime beaucoup Mipha en vrai. On peut essayer de prendre Sidon, parce que clairement,
prince des auras, par au On le connaît pas, donc pas tellement. On l'a récolte, on l'a eu hier, enfin sur le dernier live, pardon. Au niveau des armes, je pense qu'on est bien. Hein, on n'a pas le choix, de toute façon, il a que ça. D'accord. Allez, fais voir. On va prendre un plat, peut-être. Peut-être la rapidité. Ok, c'est cool. Oh les amis, je suis désolé. Désolé. Je sais pas. Petite déconnexion de notre très cher ami. Allez, je vous mets un petit message. On est là. Ouais, c'est bizarre. Bon. On va renvoyer comme ça. Ça peut arriver. Ça arrive à OBS des fois de se planter. Allez, on va y aller. C'est délicieux. Et on va partir. Ouais, ça crache. Ouais, je suis désolé. Ouais, c'est un bug. OBS qui s'est coupé. Bon, ça peut arriver. Une fois de temps en temps, ça lui arrive. Allez, on va essayer ce bon gameplay. C'était un vrai régal de retrouver Sidon, de retrouver tous nos amis là. C'était incroyable la game de la semaine du dernier live. Avec mais clairement beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises. Je ne pensais pas qu'on allait retrouver les héros de notre époque. Enfin, de Hyrule. De Zelda Breath of the Wild, voilà, plus exactement. Mais c'était incroyable, vraiment, vraiment. Vive Noël, mais oui, mais vivement Noël surtout, ouais. Noël, il y a le stream deck qui va pas tarder à arriver. Si j'arrive à vous le programmer, ben, on s'en servira pour le live sur Among Us. Alors, festival de la danse. Ok, youpi, je déclare le festival de la danse officiellement ouvert. Vous êtes prêts les gens? Montrez à tout le monde que vos pas de danse préférés, pardon. Ok. Ah oui, c'est vrai. Ah, il est tout nouveau, hein, il est tout bébé, donc du coup c'est compliqué avec lui. Hop. Allez, tu prends ça s'il te plaît. Alors le gardien c'est bon, c'est quasi bon hein, les gars. De toute façon. Mais j'avoue que c'est pas l'Amérique là. Allez, on va essayer de faire plus comme ça. Allez mon petit Sidon, petit coup fatal ici. Ah, ça va être pas mal Noël, je pense que ça va être pas mal. Moi, c'est vraiment... Pardon. C'est vraiment... une fête que j'adore. Vraiment, vraiment beaucoup. Ok pour toi. Le festival de la danse, il faut se battre alors du coup. Il a un gameplay que j'aime pas du tout les gars. Bon, on a réussi à faire quelque chose, mais il a vraiment un gameplay qui me plaît pas, mais pas du tout. Loupé. Alors le problème c'est qu'ils sont 250, hein, vous l'avez bien vu, mais on va s'en sortir, c'est pas très très difficile. Mais son gameplay me plaît pas du tout. Hop. On va la jouer tout à l'esquive, hein. C'est pas très très grave, mais ouais, c'est pas terrible. Allez, viens là mon petit gouron. Oula, j'ai pas eu le temps. Qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait faire ça, tiens. Ça l'a blessé, mais pas tant que ça finalement. Hop là, loupé. Voilà, allez. Ici c'est fait. Donc il nous manque un seul participant, je crois, et il est ici. Oh, si on bosse à la grande. Hop. On n'aime pas trop
Ouais, il a une belle portée par contre, hein, j'ai l'impression. Il faut regarder, mais ouais. Il a quand même une assez belle portée. C'est pas... Tu sais ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire ça. Ça par contre, ça fait quand même son lot de dégâts, je trouve. Oula. Mais je veux bien. Adieu. Oula. Loupé. Voilà. L'esquive était bien sentie quand même les gars, mais... Et loupé. Ma petite Urbosa. Ok, c'est bon. Putain, on l'a descendu d'un coup. Effectivement, il n'est pas terrible. Ouais, clairement, on va pas jouer beaucoup avec lui. Mais vraiment pas beaucoup. Allez. Oula. Loupé mon noyau. Mais du coup ça va parce que je suis quand même pas trop mauvais en esquive, mais sinon c'est pas l'Amérique quoi. Attends, il faut, voilà. On y arrive, c'est bon les gars. J'ai essayé de le bloquer en fait. Alors, ah non, j'y suis pas, c'était pas bon, désolé. J'ai les doigts qui ont fourché clairement. Allez, on va lui laisser jouer les maracas. Ouais. Non, c'est pas foufou. Hein. Même si tu fais du combo, ça va, mais c'est pas non plus l'Amérique. Bon, bah écoutez, c'est pas... On a eu des aventures plus épiques, en fait. Mais bon, il faut bien le faire aussi. Oh, ça me fait du bien ce café, là, les gars. Ok, 7 KO. Bon. Allez, Yonobo, il a pris une arme, je crois, supplémentaire. Puis on a pris... Waouh, on a pris des noix de Korogu, sympa. Ah, super. Ah, ça, c'est bien, par contre, tu vois, on en a besoin. On va pouvoir agrandir peut-être nos sacoches aussi. C'est plutôt sympa. C'est vraiment plutôt sympa, ça, quand ça se passe. Ok. J'ai trouvé en fait la solution du jeu d'hier soir. j'ai bloqué pendant des heures et c'est tout facile. Mais ouais, ça arrive des fois. Ok, là on est bon. On a des maracas ici, donc on va y aller voir. Puisque là... Alors c'est pourquoi emplacement pour les armes plus 3. Mais oui qu'on va le prendre mon copain. Allez, c'est bon. Ça c'est fait. Il y a des oiseaux qui chantent. Du coup, est-ce qu'on a autre chose qu'on peut prendre? Ouais. Ça, c'est bien, ça. C'est pas mal qu'ils aient gardé ce mode de fonctionnement-là aussi. Hein. Je trouve ça vraiment pas mal. Coucou, mon chaton. Alors, il y a pas mal de choses. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été... Non, on va regarder. Ils ont peut-être ce qu'il nous faut ici, dans ce magasin-là. Tiens, on a des boisseaux de blé. Ça suffira pas puisqu'ils nous en font un peu plus que ça. Mais ça fera bien l'affaire pour maintenant. On prend tout ce qu'il y a à prendre et ça nous permet de nous entraîner un petit peu, de compléter un petit peu toute la carte, pardon, autant pour moi. Je parle et je fais n'importe quoi. Et est-ce que ça a débloqué quelque chose? Pas encore. Donc on a une bataille toute neuve peut-être quelque part qui nous ferait gagner. Ouais, tiens, là. C'est quoi? C'est l'entraînement de retrouvailles de Mipha. Niveau 44, bah écoute, on va y aller, c'est même si son gameplay est pas foufou, à moins qu'on puisse échanger, mais si on peut échanger, je voudrais bien. Non, tu vois, on va le faire quand même, puisqu'on est obligé, mais c'est pas l'Amérique. Coucou ma clé, comment tu vas? J'ai pas le son, mais je vous envoie plein. Salut ma belle, salut. Merci d'être là. Et on te fait plein de bisous. Et il faut qu'on apprenne à parler la langue des signes. Il nous faudrait la langue des signes en fait, voilà, c'est ça. Ça va mon chaton, comment tu vas? Est-ce que tout va bien? Alors j'ai joué avec toi ce midi, enfin surtout, ah oui, mais oui. Écoute, on va utiliser ce bon copain là, mais par contre ennemis principaux, punaise, ça va être chiant. On a du Linel, on a de l'Inox. Écoutez, on va le faire quand même, on va essayer de voir si on peut pas avoir des dégâts supplémentaires. Un fils des dégâts, ouais, plus 7%, et ça. Allez, on va cuisiner ça, et on va essayer. On va essayer avec notre ami Sidon, mais il est peut-être pas assez fort, il faut qu'on l'upgrade un peu, je pense. Surtout au niveau des techniques, en fait.
Alors ça va, mais je me réjouis des vacances, mort de rire, comme d'hab. Je cours tout le temps, tu m'étonnes. Je suis content d'avoir des vacances. Je suis en vacances demain soir, en fait. Normalement, si tout va bien, je vous ferai un live à la sauvage demain à partir de 15h, je pense. Je pense que je pourrais vous le faire, mais je ne suis pas sûr. Pas sûr à 100%, alors je ne l'ai pas programmé. Non, pas demain, jeudi, pardon. Jeudi. Pas à partir de 15h d'ailleurs. Jeudi, c'est la veille de Noël. Ce sera dans la matinée, je pense. Mais je ne l'ai pas programmé encore. Puisque je ne savais pas si j'allais pouvoir le faire ou pas. Mais ce sera certainement de 10h à, de 10h à midi, peut-être. Ou 9h à 11h. Un truc dans ce goût-là. Allez, on va essayer sinon. Je vais pousser un petit peu l'ordi. Histoire de voir ce qui se passe à l'écran. Et on est parti. Allez. Donc là, normalement, on a quelque chose par ici. Alors, un Moblobline. Il est où le Moblobline? Moi, j'ai un problème avec mon Moblobline, les gars. T'es où? T'es pas là? T'étais où? Voilà. Alors, on va essayer. Alors, je suis pas du bon côté, clairement. C'était pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Alors ce qu'il faut faire, on va le switcher déjà. On n'y fait pas très très mal, on aurait dû... il faudra qu'on... Hop là, dommage. Par contre, les réflexes sont toujours là, les amis. Le gros chat sur nos... Eh oui, oui. Lionel, il joue à un jeu que j'adore en ce moment, mais clairement, c'est un jeu de toute beauté. Hop là. The Last Guardian, et je vous conseille d'aller voir quand il le live, parce que c'est vraiment un très très bon jeu. Et avec une belle histoire en vrai. Avec une très très belle histoire. Et notre ami Tricot qui est un dragon, ni chat. Il a quand même des faux airs de dragon. Et c'est très, très 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 plaisant à voir. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Normalement on a autre chose juste là. C'est ça. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu es par là? Pas du tout. Je te vois pas. T'étais pas là, t'étais où? Ah non, c'est le capitaine qui est avec nous. Rendez-vous au domaine Zora. Ok. Allez hop. On est parti. On n'a pas de... Il faut vraiment protéger le capitaine Zora, mais c'est bon maintenant. C'est bon maintenant. Il a décidé de partir, donc on est bien. Et donc oui, il a appelé chaton féroce toute la game. Alors attends, parce que là... Voilà. Et du coup, on peut faire un truc comme ça. Ah, il a tendance, des fois, il se met pas au bon endroit, hein, j'avoue. Est-ce qu'on peut faire un truc dans ce goût-là? Oui, on peut faire ça et on peut faire ça. Et ça, clairement, il va pas aimer. Hein, on est dans le domaine Zora, donc ça devrait pas lui plaire. Alors, voilà. Un petit lignel bleu. Hop là, dommage Eliane. Bien sûr que tu étais super sage. Mais je vois rien. Ah mais ils sont 250 en fait. C'est ça qui se passe. Hop là, vous êtes plein, vous êtes plein. Est-ce que je peux faire ça? Oui. Ouais non là c'est pénible, il y a trop de monde. Hop là. Alors. Ouais. Dommage. Et Liam. Ok, tu te calmes. Je suis sûr qu'il est adorable, mais... Il faut pas l'embêter le chaton, exactement. Mais tu sais, il est... en fait, ouais, il agit un petit peu comme un chaton, mais... C'est pas tout à fait ça. Recule! De ta mémé. Recule, bon sang. Alors, déjà, toi, tu vas commencer par mourir. Ce serait vachement bien. Ok pour toi.
Ouais, c'est bon. Allez. Alors, il n'a pas toutes les... Effectivement... Hop. Non. Alors, est-ce qu'on arrive à faire quelque chose là? Je pense que non, mais c'est pas grave. Ok. Ils ont, j'ai tellement de mal à lui faire quelque chose avec Sidon, les gars. C'est terrible. En plus, ouais, on l'a eu. Allez, c'est parti. Petit chaton docile, toi qui n'as pas d'aile, ah, tu peux pas voler. Est-ce que c'est bon là? J'ai l'impression que oui. Ok pour lui. Il est où le capitaine Zora maintenant? Alors attends, fais voir, on va éclater ça là. Normalement il devrait y avoir quelque chose. Non, pas du tout. Putain, la tristesse, la tristesse du mec, tu sais. Du coup, je suis un peu déçu là. Je pensais qu'on allait gagner quelque chose. Ok, le capitaine Zora est là, il est en train de mourir dans d'atroces souffrances. Pendant que je m'occupais de Daminel, tu sais. Allez, on va nettoyer tout ça, puis on va l'accompagner jusque... Je peux voler grâce à mes pouvoirs du chaton. Ah bon? C'est sûr. Allez, j'aimerais bien qu'il avance, Jean-Maurice, là-bas. Est-ce qu'on peut faire ça? Oui, je pense qu'on va faire ça. Alors là, il faut avoir bon timing, mais du coup, j'ai pas bon timing. J'ai pas l'impression. Bim. Est-ce qu'il va venir ou pas? Je sais pas, il a un problème, ton pote. Hein. S'il faut que je nettoie tout le monde, ça va être compliqué, là. Il faudrait qu'il y fasse un effort, un peu. Mais il faut lui enlever tout le monde, tu sais. Mais sérieux, Zora Larousse là? On va y aller ou quoi? Putain, mais c'est pas vrai, hein, il en reste deux. Hein. Alors? Mais sérieux? Ah, l'angoisse du gameplay là pour le coup, les gars? Putain. Allez, viens, Poupou là, parce que là, je peux plus de toi. J'en peux plus de toi. Il faut tous les éliminer mais un par un quoi. Sinon il bouge pas sa couenne le mec. Terrible. Et donc je vous invite à aller voir Lio si vous connaissez pas The Last Guardian les amis. C'est rigolo parce que je voulais vous le faire et puis comme quoi hein, la jumonition a agi. Et il s'est mis à vous le live et je trouve que c'est top quoi. Alors fais voir. Oh là, tu te calmes Jean-Maurice, tu te calmes. Alors par contre tu vois j'aime bien quand on a. Voilà, déjà, on va faire comme ça. Petit Inox, toi qui n'as pas d'aile. Est-ce qu'on peut faire un truc comme ça? Oui, on va faire ça, regarde. Voilà, au moins. Ok, un petit coup fatal ici. Hey, salut Slimer, comment tu vas? Vous avez la même couleur de pseudo que chaton, du coup j'avais pas fait attention. Et effectivement, sur l'autre retour, tu n'as pas le même. Allez hop. Vite, 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 dégage, dégage. Voilà. Allez, fais voir. Sinon je griffe, mais oui. Attention, le bon chaton griffouille un petit peu des fois, c'est vrai, j'avoue. Allez. Putain. Il est tout neuf, hein. Il est tout neuf, notre copain, donc on a un peu du mal, hein, je vous avoue. Ouais. Est-ce qu'on peut faire ça? Oui. Tiens, tu te calmes, Jean-Maurice. Mais par contre, il faut se barrer. Non. Et par contre, on pourrait faire ça, tiens. Non, dans l'autre sens, par contre, sinon... Ouais, il n'est pas... C'est pas terrible, cette façon de faire, là. Clairement, c'est pas terrible du tout.
Allez, viens ici, on y fait une deuxième ultime et... Je vous avouerai que son gameplay est pas foufou à Sinon. C'est Sinou. Nous Sinou, on s'en fout. Voilà. Tiens, tu te calmes, oui. Ah oui. Ah oui, ah oui, il nous a fait très mal, en fait. Tiens, ça t'apprendra. Il nous a fait très très mal. Ouais, il est pas incroyable du tout. Clairement, autant il y en a d'autres, ils ont des gameplays qui sont super, autant là... Mais bon, t'es obligé de le faire un petit peu si tu veux avancer. Alors pas dans tout, hein, mais il y a certaines phases où t'es obligé de faire avancer certains persos. Histoire de jouer avec tout le monde, hein, je pense. Mais clairement, lui est pas foufou. Lequel est pas, Zelda est pas foufou aussi non plus. Je dirais pas fofolle, mais ouais, c'est ça. En fait, c'est pas l'Amérique, quoi. Autant les autres, il y en a certains qui te régalent, mais là, clairement, comme gameplay. Je pense que vraiment, les meilleurs gameplays, c'est un peu. On y va maintenant? C'est Link. Mipha, moi, j'adore, par contre. Link, Mipha, et puis qui d'autre? What else, comme dirait l'autre. Ah, quand il y en a qu'un seul, hein, il est bugué, le mec. C'est bon? Non, il y en a encore. On est bon? Allez, on est bon. Mipha, ça... Ok, je sors. Et c'est rigolo parce que c'est des trucs que je pourrais dire moi. Alors, fais voir, tu dégages. Alors attends, faut que... Voilà. C'est mieux si je le... fais comme ça. Fais voir. Ouh. Alors. Bim. Non. Pardon, c'était ça que je voulais faire. Tu dégages, oui. Tu t'arrêtes. Tu te calmes. Loupé. Allez hop. Allez, on va essayer de le faire dégager quand même parce que là, faut pas déconner. Né. Bim, tu te calmes. Et nous, on va se pousser. Et voilà. Allez, c'est bon. Peut-être que j'ai trouvé un formateur. Ah mais c'est vrai. Mais ce serait génial. Ce serait génial. Hop. Du coup, comme ça. J'ai vraiment du mal avec ce truc là. Je vous dis, moi, lancer des bombes, c'est pas mon truc. Allez, petit coup fatal. De l'inel bleu. Le linel bleu, il est quand même super goldé, les amis, moi je trouve. Hop là, dommage. Ouais, c'est un peu dommage. Des fois. Non, sérieux. Mais quelle nouille. Mais il est fou, le capitaine, là. Oh, capitaine du pommeau, là. Allez, viens mon petit cheval. Hop là, dommage. Aïe. J'aurais voulu, il y a Mipha qui vient d'arriver. Non, non, dégage. Putain, de pas pouvoir se sortir. Ta mère. Mur à la con. Pardon, autant pour moi. Ta mémé. J'aurais dû dire ta mémé d'ailleurs. Tiens, attrape ça s'il te plaît. Allez, mais bouge, t'es long, mais qu'est-ce qu'il est long ce mec là? C'est l'angoisse, hein. Allez, tu dégages. Alors, pour être argent immobilier honnête, un agent immobilier honnête, t'es sûr? T'es sûr ça existe? Un agent immobilier honnête, d'accord. C'est comme un mécano qui fait les réparations qu'il faut sur une bagnole, c'est pareil. Allez. Non, je plaisante, bien sûr.
Il y a bien sûr qu'il y a des gens honnêtes. Heureusement, heureusement qu'il y a des gens honnêtes. Non. Non, dégage. Mais c'était sérieux de pas l'envoyer au bon endroit. Ben si, justement, c'est pour ça que c'est particulièrement heureux. Mais tu m'étonnes. Mais c'est bien, tu, ça fait, mais ça fait, c'est vraiment trop bien quoi, en vrai c'est vraiment trop bien. D'arriver à avoir des stages en ce moment, c'est pas évident quoi. Donc ouais, je comprends que tu sois content. Salut Moïse, comment tu vas? Salut mon chouchou. Alors attendez, hein, j'essaye de lever la tête un temps soit peu, mais putain, dégagez. Ouais, il est tellement lent, Sidon, les gars. Il est tellement lent. Ah, purée, t'as mémé. Alors. C'est bon. C'est bon, c'est fait. Comment il va, mon Else? Notre Else Angels national. Alors, comment vous remerciez votre Altesse? Eh ben, en me faisant plus jamais jouer Sidon, les gars, s'il vous plaît. Ne me le faites plus jamais, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je veux pas jouer à ça. Je veux pas jouer avec Sidon. Putain, Sidon, il est loin. Bon. Mais en vrai, on est au tout début avec Sidon. Je pense que il nous faut aussi, tu lui fais des meilleurs, un petit peu des meilleures armes, c'est, ce sera un tout petit peu mieux. Mais c'est vrai qu'il a une vitesse qui est un tout petit peu basse à mon goût. Ah, merci. Alors, surtout que j'ai galéré pour trouver un stage. Je suis en retard de 2 semaines. Eh ouais, mais c'est vachement compliqué en ce moment. Tu penses, avec les temps qui courent, là, il y a... t'as beaucoup de métiers qui... c'est pas simple, ouais. Effectivement, c'est pas simple. Je connais un entrepreneur qui en prend... beaucoup parce que ben justement ils ont du mal à trouver des stages les gens et que bon il peut le faire mais ouais c'est que c'est compliqué quand même parce qu'après il faut les occuper quoi, c'est pas le tout de donner des stages mais il faut bien t'apprendre quelque chose quoi. Alors coucou les amis, ça va bien, j'ai enfin réussi à faire fonctionner mon micro. Ah ça y est, alors sur ton PC, ah ben ça c'est cool, GG à toi mon Else. Mais ouais, mais c'est complètement mon Silver, je comprends hein. Alors les temps qui courent, c'est compliqué quoi. Donc ça, on peut valider, oui. Un cœur max. Allez, bim. On peut lui donner un cœur max. On peut... Attends, on va regarder un petit peu que je fasse pas de bêtises. Est-ce qu'il y a autre chose qui bipouille? Non, il n'y a pas autre chose qui bipouille. Donc on va venir... Qu'est-ce qu'on a? Alors, tirage avec des liens. Nouveau combo pour Sidon. Donc tu vois, ça c'est pas mal. Ça va pouvoir en améliorer son gameplay, je suppose. Ok pour toi, on est bon. Ouais, c'est pas l'Amérique, mais c'est déjà ça en plus. Ça ira très bien. Donc, qu'est-ce qui nous manque? Ok, il nous manque des petits crabes là, pour lui. Et pour là-haut, il nous manque quoi? D'accord, il nous manque des poissons. Et pour faire ça, il nous faut aller. Et ben là, plus en fait. Il nous faut aller que sur des choses qu'on a déjà faites. Ça, c'est bien dommage. Donc, on le fera peut-être en off. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire la bataille qui est juste là. Je pense que ce serait bien. On va aller regarder pourquoi il... Je pense qu'il veut qu'on fusionne quelques armes pour Sidon. Je pense que c'est pour ça, exactement. Tu vois, on a niveau 34, 38 là. Alors, on va prendre ça. Qu'on va lier avec ça. Et la dernière, on va fusionner ça, on en a 10 000, on peut le faire. Et puis après, on va fusionner les deux autres. Alors, on peut pas le faire dans ce sens-là. Est-ce qu'on peut le faire dans ce sens-là? Et comme ça, je pense que oui, ça va nous faire un niveau 8 et niveau et 48 d'attaque. Écoute, c'est plutôt, ce sera plutôt confortable, je pense. Allez hop, même si on l'utilisera pas, je veux quand même le faire. Rentier, ce sera un bon job, ouais, effectivement. Ouais. Alors, surtout que moi, j'ai un projet relou, je veux pas devenir agent immobilier, mais rentier. Ouais, c'est compliqué quand même de devenir rentier, mais si tu y arrives, pourquoi pas avec... ben ouais, hein, clairement. Clairement, c'est une bonne chose. Allez, hop. Mais en vrai, c'est pas si compliqué. Non, bah, il suffit d'acheter des biens et de mettre en location ou en vente ou de faire la bascule comme ça. Allez, on va se faire de l'histoire principale, les amis. On va passer par là. Bataille d'Akala.
Et on va se faire ça. Alors, on a quoi? Alors par contre, on va changer, je pense, les gens qui nous accompagnent. Donc là, à moins qu'on soit obligé de garder ça. Donc on a Mifa qu'on va garder. On a Riju, on va la lever, si c'est possible. On va prendre Link. Teba, Ketal Teba, Ousted. Et on va prendre... Ouais. On va prendre Impa parce que... ça va bien. Et alors lui, je sais pas... On peut pas le changer? T'es sérieux? On est obligé de prendre Daruk? Bon, bah va pour Daruk, hein, les gars. Alors, fais voir. Hop. On va faire un tout petit peu plus de dégâts, ce serait bien. On va peut-être prendre de la rapidité. Plus 15, plus 15 de rapidité ou pas? Quoi? Ouais, on va faire ça. Voilà. Allez, hop. Oui, je suis bien d'accord. Et c'est parti, les gars, pour l'histoire. On y va. Nos forces sont désespérément en infériorité. Et en plus, toujours aucun signe des renforts. On arrive. C'est partout pareil. Mais tant qu'il y a une possibilité. Un chercheur n'abandonne jamais. Et justement, la probabilité que les renforts arrivent me semble élevée. Une lettre prête est bon, Helsing. C'est vrai. Mort de rire. Vous voyez, je vous l'avais bien dit. Voilà. Donc je pense que c'est nous, ça. Hein. Joignant leurs forces à celles des sauveurs venus du futur, les prodiges combattaient avec ardeur pour repousser les hordes de gardiens et de monstres. Mais Hyrule restait plongé dans une guerre cruelle. Les soldats qui avaient fui le château lors de la résurrection du fléau s'étaient réfugiés à l'est d'Hyrule, dans la forteresse réputée imprenable d'Akala. Assiégés de tous côtés par des gardiens, ils résistaient avec la force du désespoir. Link et ses compagnons se hâtèrent vers la forteresse d'Akala. Pour leur des gourmandises de Noël. Nous, on a fait des gâteaux de Noël aussi, tu sais, pour mettre dans le sapin. Ils décident donc de partir devant pour ouvrir une brèche dans les forces ennemies assiégeant la forteresse. Ok, allez hop. On est parti. Varuta, c'est toujours, toujours limite avec elle. Hein. Vraiment, c'est toujours limite avec elle. C'est dommage qu'il ne soit... D'accord. Ok. Ok, mon Silver. Alors toi, par contre, tu peux... Pas les mettre dans le sapin. Ça va pondre. Ah, si, sans chocolat, ouais. Mais généralement, on fait des sablés, nous, tu sais. Ça, c'est vraiment des phases que je n'aime pas du tout, en fait. Les phases créatures divines, c'est vraiment des phases qui me plaisent pas de ouf, quoi. Et puis, c'est toujours... ça devient que pourra, en vrai. Je sais pas si... Alors, la route de l'Est a l'air dangereuse, mais c'est la plus directe pour aller à la forteresse. La route de l'Est est la plus longue, mais le point d'eau nous facilitera. Les points d'eau nous facilitent les combats. Mais du coup, ouais, il y a forcément en plus une composante de temps là. C'est ça qui est bien. Écoute, on peut s'essayer comme ça, mais. Mais par contre, ouais, ça fait du dégât, j'avoue. Dégâts des eaux Gonzales, hein. Hop, par là-bas. Est-ce qu'il nous... je sais pas ce qui nous fait mal comme ça, mais ça nous fait mal, clairement. Ok. Alors, il y a des trucs là-dessus, non? Où j'y arrivais? Ouais, c'est ça. Il y a des trucs là-dessus.
Coup de trompe, bim. Parce que les éléphants ça trompe énormément les gars. Donc coup de trompe. Alors là, je pense que ce qu'on pourrait faire aussi c'est, voilà, ils sont bien, s'ils sont bien regroupés, on mettra un gros faire très attention à notre vie en vrai. Voilà. Hop. Allez. Donc là il y en a d'autres en dessus. Il y en a d'autres là-bas là. Est-ce que. Est-ce qu'on on essaierait pas de faire un truc dans ce goût là les gars, ou j'ai rêvé? On va essayer ça. Voilà. Est-ce que c'est bon? Ça me paraît bien, non? On a un autre là-haut, non? Ouais. On avait un autre là-haut, mais je l'ai pas vu. Il y a un poulpito désert, regarde. Alors par contre là. Ouais, il y en a encore. Ouais, c'est pas le. C'est vraiment les bêtes, c'est pas le. C'est pas foufou quoi. Les créatures divines, je trouve pas. Je trouve pas ça fou. Clairement, mais bon, pas grave, hein. Ça arrive, hein. Ouais, on n'est pas très très loin, ouais. Il y a plus de monde, on n'est pas très très loin, mais c'est vachement bien en fait. Je pense qu'on a bien fait de passer comme ça là. Alors, par contre, tu vois, j'arrive pas à voir le truc volant là-bas non identifié. Voilà, ça c'est bon. Est-ce qu'il y a. Non, c'est juste de l'autre côté en vrai. Voilà, tu te calmes Jean-Maurice, tu te calmes. Pareil. Là ici. Mais ça a le mérite d'exister, je trouve que c'est quand même pas mal d'avoir pensé à faire des phases comme ça. C'est... Mais c'est juste que... Il y a certaines créatures qui se pilotent mieux que d'autres, hein. J'avoue que... C'est pas la pire. C'est vraiment pas la pire les gars. Hop, allez, bim. Nouvel objectif, un tout petit peu plus loin. Donc clairement, on va dégager tout ça. Attends, hop, ça ira plus vite. Ça, tu vois, ça c'est toujours le truc que je trouve un peu problématique. Là, j'avoue que là, la grosse arme là, ça marche pas de ouf, en vrai. Mais bon, on va être clair, hein. on est bien, hein. C'est un bon jeu, c'est un bon jeu, vous allez vous régaler. Si vous voulez le prendre pour Noël, vous pouvez, allez-y les gars, il n'y a pas de risque quoi, vous avez pas de risque, vraiment, vous allez vous régaler, point. Vous aimez les musseaux après, hein. Moi j'aime bien, hein. J'aime bien, il écrit de bons bouquins, il fallait que je vous la fasse, t'sais. Mais bon. Il y en a qui aiment pas, hein. Mais moi, Musso spécial, ça me va bien. Ouais, je préfère Dan Brown peut-être, mais bon. Est-ce que c'est bon? Ça a l'air d'être bon. Alors, je fais attention au temps quand même, hein. Mais ça a l'air d'aller. Hop. Allez, on va essayer de faire dégager tout ça, là. Tu vois, ce qui va pas, c'est ça. Ce qui va pas, c'est ça. Ce qui va pas, c'est que t'es pas du bon côté. Ça te le montre pas comme il faut. Jamais. Mais c'est pas grave. Parce que regarde, t'y arrives quand même. Et c'est ça la beauté du truc et la beauté du geste. Allez, on va continuer comme ça. Et on arrive à la forteresse d'Akala, les loulous. J'ai fait ça. Exactement. J'ai tué tout le monde avec la blague. Mais j'ai pas dit qu'elles étaient bonnes. N'hésitez pas à aller sur la chaîne de notre ami Silver, les loulous, vraiment. Et mercredi, je crois qu'il fait un Among Us. Si le cœur vous en dit, vous pouvez, je pense, aller y faire un saut. Bon. Et jouer avec les copains. Donc n'hésitez pas. Qui est-ce qui joue avec toi, au fait, mon chouchou? Une forteresse réputée improbable, clé de voûte des défenses de la région d'Akala. Elle a été érigée sur les hauteurs et dispose de nombreux canons. D'accord, ok, ça va mon chouchou.
Oh, il doit y avoir petit doigt, je crois, et puis peut-être chaton aussi, et vous allez encore bien vous amuser. J'essaierai de passer par contre regarder. Je pense que je serai avec ma femme et mon fils, mais si je peux 2 secondes m'échapper pour venir vous voir, ce sera avec plaisir. D'être de l'autre côté, c'est agréable aussi, tu sais, une fois de temps en temps, regarder des lives quand je peux, quand j'y arrive et que je peux le faire, j'aime bien, hein. C'est vraiment agréable. Hop là. La communauté, enfin, j'allais dire la communauté de l'anneau s'épaissit, mais c'est presque ça en vrai. Il y a de plus en plus de monde dans notre team. Je sais pas combien d'heures de jeu il a encore, mais c'est pas, y a pas, c'est pas petit quoi. Il y a quand même pas mal à faire. Voilà. Voilà, c'est fait. On s'occupe des abords de la forteresse. Cool. Ne vous en faites pas pour nous. Nous vous Nous, on s'occupe de tout, vous s'occupez de rien surtout, les gars. Merci, merci. Mipha. C'est à nous de jouer maintenant. Oui. Tu es si grand maintenant. Je suis heureuse de pouvoir combattre à tes côtés. Est-ce que. Je vais vous demander, je vais dire un truc, mais. Moi aussi. Oui, ça risque d'être sympa. Faudra que je modifie mon overlay si tu regardes avec ton fils. Non, non, t'inquiète, t'inquiète. Je regarde pas spécialement avec Loulou quand je regarde des choses comme ça. Mais ça lui plaît, lui, hein. Il aime bien. Hein. Mais c'est pas pour lui, clairement. Plus que jamais. Je me demande là, c'est si le fait que. Sidon soit venu et les autres prodiges, les prodiges de Breath of the Wild, est-ce que ça va les sauver? Allez, on est avec Mipha. Et ça va être que du bonheur, les gars. Allez, pour l'instant. Ok, merci. Je m'occupe des gardiens du front nord. Trop bien. Alors nous on adore, hein. Si tu t'occupes spécial des gardiens, tout va bien. Ouais. Ça va être le grand plaisir. Alors par contre on va faire une petite pause là-dedans et on va faire ça, fais voir. On va prendre Link. Link, il est en bleu. On a qu'à. Attends, je regarde un petit peu la carte. C'est en dessous. Donc, si je l'envoie là-bas, en vrai, je sais pas si c'est vraiment le bon choix. Mais je crois qu'on va le faire quand même. Allez, Link, toi, tu vas aller là. S'il te plaît, on va venir défendre. Tu vas venir défendre cette forteresse-là. Et. Après on en verra, après on s'occupera du reste. Allez hop. Ok. Nous, notre frère, il nous ouvre le passage, donc on est bien comme ça. Hein. Moi j'adore. Hop. Allez, tu dégages. Donc effectivement, là on n'est pas. Hop. On est pas avec Link, donc. Allez, on va faire comme ça. Allez, ma petite Mipha. Regardez, ça descend bien la vie avec Mipha quand même. La vie, la vie, la vie, la vie. Et voici la vie. Hop, allez, tu te calmes. Et on est bon. Je pense que ça devrait le faire pour celui-ci en tout cas. Petit coup de points faibles. Est-ce que j'ai pas regardé? Non, il n'y a pas de. On est tranquille. On a vraiment pas de. Comment dirais-je? On n'a pas de temps imparti, donc c'est plutôt confortable après. Est-ce que on peut faire? Est-ce qu'on a besoin de faire quelque chose là-dessus? Nouvel objectif défini. Ok, et c'est par là. Allez, on y va. Alors, fais voir. On va se séparer. Regarde. On va prendre. Ouais, on va prendre. Mince, autant pour moi, on va prendre Impa. Bim bim, Impa, tu vas aller là. Allez, ma chouchoute. Bim. Et je pense que ça devrait le faire.
Oh là, mais vous êtes beaux les gars. Salut, toujours la moustache. Allez, on y va. Il faut essayer de voir aussi, puisqu'on a le temps, c'est si jamais on a des Korogu qui traîneraient. Hein. Oh là, salut, on t'a vu. Allez, on a vu Jean-Maurice là, on va essayer de lui traîner sa mère, si c'est possible. Allez, bim, encore. Et on peut faire plus fort. Allez, petit coup fatal. Alors, j'ai un petit fantôme qui fait des doigts d'honneur. C'est bof bof. Ah oui, j'avoue. J'avoue que ça peut être bof bof si le petit passe. C'est à ce moment-là. À ce moment-là, là, tu sais, mais il faut mettre moins de 18 sur tes trucs. Et puis voilà, comme ça, t'es tranquille en vrai. Allez, on va voir ça. Ok, une paille de l'autre côté. Oula, pardon, j'avais pas vu. Juste, t'avais pas vu. Écoutez, les gars, si vous aviez la bonne idée de mourir, voilà, tout simplement, hein, ce serait très très bien. Attends, on va nettoyer ça aussi, parce qu'on a le temps et qu'on peut le faire. Bim. Et puis après, on retournera de l'autre côté. Hein. Est-ce qu'on a quelque chose par là? Je ne crois pas. Et bim! On va s'assurer que tout soit nettoyé, tout au pulito, les gars. On va... Ouais, je pense que copine, elle doit être en bas. Allez, on va finir avec ça, là. Elle est tellement goldée, je l'ai tellement montée. J'ai tellement monté en level, en vrai, ces armes, que... Non, non, c'est beau. Elle commence à peu près à être au même niveau que Link, finalement. À quelque chose près, hein. J'ai l'impression... Qu'est-ce qu'on a eu, là? Mais punaise, mais vous êtes encore là, les filles. Allez, on va nettoyer tout ça, ce serait quand même mieux. Il y a un truc qui traîne de l'autre côté, on ira voir. Ça doit être en bas, hein. Ça doit être en bas, clairement. Allez, les gars. Allez, on va avancer là, tranquille. Je pense qu'il va falloir... Oh, salut le capitaine Ilien, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un problème? Non, quand même. Allez, les gars, vous êtes deux là, ils sont deux là. C'est bon, vous allez y arriver ou quoi? Voilà. Ok, allez, maintenant on va passer, je pense, sur Link et sur Impa. Juste après ça, hein, on va s'occuper de cela peut-être d'abord. Allez, fais voir. Là pour Link. Salut ! Punaise, y a du monde ici. Voilà pour vous. Allez, on va nettoyer tout ça, vous en faites pas les gars. On va nettoyer le camp, comme ça on est tranquille, on va regarder en même temps tout ce qu'on a là. Et si on peut envoyer Link ailleurs, si jamais c'est utile, on verra un peu. Zelda est avec nous, c'est plutôt sympa. Quand j'aurai une situation un peu intéressante, promis. Alors, non, mais alors, écoute, tu sais, c'est exactement la même chose que c'est comme pour tout. On fait pas ça pour ça, donc t'inquiète pas, tu sais, les subs, ça va, ça vient. Merde. C'était pas ce que j'aurais dû faire, mais c'est pas grave. Ah non, je peux pas. Scheiße. Eh oui, je peux pas. Bien sûr que je peux pas. Ouais, t'inquiète pas pour les subs, tu sais, c'est pas une obligation. C'est pas une obligation du coup. Et c'est pas un problème en fait. T'inquiète pas, mon chouchou, c'est pas un problème du tout. Tu sais, moi c'est pareil, je peux pas sub tout le monde, hein. J'ai 2-3 subs, j'ai mon petit doigt en sub. Mais après, enfin c'est pareil, j'ai pas une bourse extensible, je mets déjà beaucoup de ce que j'ai dans les jeux, donc dans les jeux, puis dans de quoi améliorer les lives. Le prochain achat, si c'est possible, et enfin normalement il y a le stream deck qui va arriver, mais après il y aura certainement d'autres choses, donc encore un peu sympa pour vous. Donc c'est compliqué, tu vois, on peut pas tout faire en vrai, et on peut pas être partout, et puis on peut pas faire allez, hop. Allez, on va absorber du symbole, les gars. On est comme ça, nous. Voilà. Mais oui, on peut clairement pas être enfin, on n'a pas des bourses extensibles. C'est vrai, tu l'as à Noël, mais tu vois, moi j'aurais attendu 2 ans pour
pour l'avoir. En fait, le Stream Deck, je trouvais pas ça spécialement très très utile dans la configuration où j'avais pas un gros ordinateur. Mais maintenant qu'on fait du Among Us, si tu veux, si je pouvais créer les raccourcis juste au moins pour couper les micros, je pense que ce serait très utile en vrai. Donc vraiment, vraiment pour le... Effectivement, pour le reste, ce serait que du bonheur en fait. Oh. Alors, j'ai pas eu le temps parce que lui, il fait des bêtises. Hop, tu te calmes, Jean-Maurice. Mais oui. Allez, fais voir. On va faire une ulti. Mais clairement, ouais, ça fait partie des... Allez, nettoyer, vider, désosser, si on peut. Je pense qu'il va falloir faire ça. Hop. Mais bon, tu peux faire sans. J'ai fait des âmes sans, donc. Mais j'avoue que au moins pour quand tu fais beaucoup de multi comme ça là, et où il faut que tu puisses passer par le Discord et couper le micro du Discord, je pense que après ça devient assez sympathique si tu peux le faire. Ouais. Comme maintenant, je stream aussi des choses sur ordi. Ouais, je pense que ceci explique cela et que c'est pas mal. Ouais. J'avoue. J'avoue que ça peut être pas mal. Alors, fais voir, on va agrandir la carte. Où est-ce que je peux aller? Je vais redescendre peut-être avec Impa. On a qu'à redescendre un petit peu, peut-être. Par ici. Comme ça, on va s'occuper de Jovian, hein, du gardien. Ah, c'était pas ce que je voulais faire. Autant pour moi. C'était pas du tout ce que je voulais faire. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais c'est pas grave. Ouais, d'accord. Ok. Alors, tu sais, tu vas faire ça déjà. Tu vas te calmer. Voilà. Voilà, ça ira mieux déjà. Ah ouais, bah oui, tu fais bien, c'est le moment d'en profiter en vrai. Moi, comme j'ai pas eu la PS5, en fait j'aurais un Stream Deck. On voulait prendre la PS5 et puis ça n'a pas été possible, mais c'est pas grave, hein, s'ils veulent pas nous la vendre, la PS, ils la gardent. Hein. C'est pas un problème, on a un bon on fera avec les ordinateurs, on fera avec une Switch qui est magnifique. Et puis voilà tout, il y a de quoi s'amuser sur toutes les consoles. Et s'ils veulent pas vendre les dernières consoles, eh ben c'est pas grave. Et ils se les gardent. Pas de problème. Nous, on n'est pas des gueules. On a plein de consoles qui sont très très bien. Et puis on passera à la next gen quand ils seront opérationnels. Après tout, c'est pas un sous de taille. Alors, fais voir un petit peu. Pardon. 2 secondes 50, on va repasser par la carte après, les gars. On va essayer de repasser par la carte 2 secondes. Allez hop, faites voir. On a nettoyé ça. Là on a un sorcier à base de trucs un peu blanc. Blanchouille, blanchâtre. Qui est-ce qui est avec nous? Link est là. Il est revenu ici, d'accord, Linkou. Donc on va prendre Link avec nous en cas. Et puis on va aller de l'autre côté. Allez, c'est parti. Bim. Link, on est là, donc on va passer comme ça. Voilà, c'est ça. Allez, viendez les gars. Viendez nous aider. De toute façon, généralement, la next gen, ça marche que... Ouais, c'est clair. Mais bon, quand tu streams, je t'avoue que c'est quand même plutôt pas mal si tu peux l'avoir, je pense. D'accord. Je pense que quand tu streams, c'est quand même pas mal de l'avoir, hein, si tu peux quoi. Alors hop, on va le mettre, voilà, parce que là, sinon, ça va être compliqué. Non mais tu te calmes, en fait. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas te calmer déjà. Hop, et puis tu vas te calmer là aussi. Mais oui, je suis complètement d'accord avec toi, c'est jamais... Et un petit coup fatal et on est bon, tu sais. Mais oui, c'est jamais opérationnel. Tu vois bien, il y a beaucoup de...
Il y a beaucoup de cryogènes en ce moment, donc il y aura encore beaucoup de cryogènes. Donc c'est pas très très grave, mais alors est-ce que ça a ouvert quelque chose? Peut-être pas. Servez-vous de Mipha pour vous approcher du capitaine Ilien. Le capitaine Ilien, il est où? D'accord, ici. Eh ben écoute, on va y aller avec Mipha. T'es où Mif? Elle est là. Le capitaine Ilien, il est par là. Pardon, autant pour nous. Voilà. Attendez, je vais soigner tes blessures. Et ben dès qu'il sort, je vais le faire, ouais. Dès qu'il sort, je vais le faire. Parce que ça fait un moment que je voulais le faire. Et puis finalement, j'ai pas eu le temps. Donc ce sera avec plaisir. Ok, on est bon pour là. Merci infiniment. Je vous prie de soigner mes camarades. De soigner aussi mes camarades dans la forteresse. Allez hop. C'est par là que ça se passe. Laissez-moi sortir de la forteresse. Ça vous rappelle rien? Ça te rappelle rien, ça, Lien? Oula. Attends, j'ai pas vu. Il y avait Jean-Marc. Jean-Marc de Coucougnetos, il est là. Tiens, regarde. Donc avec Jean-Marc, il faut faire des trucs comme ça. Mais je t'ai vu, Jean-Marc. Hein. On t'a vu. Par contre, c'est... Voilà, merci. Tu te calmes. Et voilà. Alors, est-ce que je suis dans le bon sens? Je suis dans le bon sens. À petite bombinette. Et on se couche. Non, j'y suis pas arrivé, tu vois. Allez, c'est bon. C'est vrai, il a 40 balles. Il est, tu l'as vu, il est mis depuis quand, là? Parce que moi, je l'avais pas vu. J'avais pas prêté attention. Mais je vais peut-être du coup je vais peut-être vous le prendre et vous le faire en vrai. Allez, tu te casses, toi. Tu te calmes, pardon, c'était ça que je voulais dire, bien sûr les gars. Ouais. Voyons. Il dit voyons, mais je voyons bien les choses. Mipha doit sauver les soldats de la sorte. Servez-vous de Mipha pour aider les soldats qui défendent la forteresse. D'accord. Par où passe-t-on par contre? Par où peut-on passer? Est-ce qu'on peut passer par là? On doit pouvoir passer par là. Ah, c'est bloqué. C'est bloqué par là. Est-ce que c'est bloqué par là? C'est bloqué par là aussi. Du coup, est-ce que c'est par ici? Ouais, peut-être. Non, là c'est cassé. Allez, on va passer sur le côté. Et non, il y a... Salut. Salut, il y a Jean-Maurice. Alors, j'ai pas vu. Bon. En fait, c'est trop petit, là. Et il nous ennuie. C'est vraiment trop petit et il nous ennuie. Ok pour vous. On va casser les deux petites caisses qu'il y a ici. J'espère, ce serait bien de trouver un Korogu ou deux. Ce serait quand même pas mal. Normalement, sur les batailles comme ça, t'arrives à en trouver. Allez, on va grimper à l'étage. Même si on connaissait pas, tu sais, on commence à bien connaître le château. Clairement, nos châteaux, nos trucs, on commence à bien les connaître. Parce que non, c'est vraiment du décor, ça. D'accord. Je peux pas. Allez, on va grimper à l'étage, les gars. Elle est tellement, tellement sympathique. Tiens, du Korogu. Elle est tellement sympathique, Mipha. Vraiment. Rise of Tomb Raider à 5 euros. Non, ce que je vais... Alors, je les ai tous, moi, les Tomb Raiders. Ce que je vais vous faire... Il faudra que je vous le finisse, d'ailleurs. Rise of Tomb Raider. Mais c'est les autres aussi qu'il faut que je vous fasse, en vrai. Alors, où est-ce que c'est? Ok, un petit inox. Toi qui n'as pas d'aile. Et ouais, du coup, il faudrait que... Est-ce qu'on peut faire ça? Ouais.
loupé. Ce qui est bien, c'est la portée de ses armes, Mifa, elles sont, c'est terrible. Hein. Allez, petit coup de point faible fatal. Mais ouais, je voulais vous faire comment il s'appelle. Ensuite, je l'ai plus. L'ennemi a réussi à pénétrer dans la place, ok. Alors, je vois pas, je le vois pas. Alors, ça lui a rien fait bizarrement. Non, dans l'autre sens, dépêche. Voilà. Et hop, comme ça. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Allez. Voilà. Un petit coup fatal. Mais ouais, Temtem, c'était dans les tuyaux. Soit je vous refaisais du Temtem un petit peu. Et mais je voulais attendre qu'il sorte ouais, sur les consoles, mais je pensais pas qu'il. Je pensais pas qu'il, qu'il sortait sur PS4 en fait. Ok pour lui. Alors attends, on va repasser par la carte quand même parce que j'ai du mal à l'appréhender, à voir toute la carte en vrai. Donc on va passer comme ça, juste histoire de. On pourrait envoyer. Non, pardon. On va envoyer Link si c'est possible. On va prendre. Sérieux? Oh. Link. Voilà, tu vas venir là, s'il te plaît, si c'est possible. Hein. Je dis ça, je dis rien. Parce que de toute façon, non. Ouais. Non, non, ça doit. On doit pouvoir l'envoyer ici. Et ce serait bien de prendre Josiane et de venir qu'elle nous rejoigne par là en fait. En vrai. Est-ce que c'est possible? Peut-être. Voilà. Hop. Comme ça. Allez, c'est parti. Allez, fais voir. Par où? Dans l'autre sens. Par là. Exactement. Allez, tu dégages, s'il te plaît. Voilà. Et on regardera, ouais, tu vois, j'avais pas regardé, j'avais pas fait attention, mais effectivement, si c'est à 5 euros, c'est pas mal. Après, Temtem à 40, ça peut être bien aussi, clairement. Allez. Clairement, ouais. Ouais, je regarde un petit peu l'heure parce qu'on pourrait on pourra passer sur autre chose après si c'est possible. Allez, Capitaine Zora 2 sur 3 et on peut passer par là. Non, c'est pas là, ça doit être de l'autre côté. Fais voir. Attends, voilà, on va le finir parce que sinon ils ont moyen à partir pendant 2 ans et demi, tu sais, c'est compliqué. On va casser les caisses qui sont là pour récupérer les rubis parce que c'est important, on en a besoin et normalement on est bien. Ok, salut toi. Oula, le capitaine Zora là, il est pas bien. Le capitaine Ilien, pardon. Allez, ouais, j'avoue. Hein. J'avoue que des fois, c'est pas l'Amérique. Voilà. Allez mon chouchou, allez. Oh, ça s'est joué à pas grand chose. Sérieux, ça s'est joué à pas grand chose. Voilà. Allez, petit coup fatal et on est bon.
Ah, un bon Temtem, ouais, si ça vous va, un bon Temtem. C'est clair que... Ok, Capitaine Lilian sauvé, on est bon. Non, ça c'est bon. Ouais, c'est pas dans PS4, c'est pour ça Lio. J'avais surveillé un petit peu, hein, mais j'avais vu un petit peu, mais non, c'est pas... Attends. Servez-vous de 1 pour sauver Pharah. Alors c'est où? Je vois pas du tout. On va essayer par là, mais... On va suivre une pas, hein. Je pense que c'est le chemin, mais... Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on peut? Non, pas du tout. Comment on sauve Pharah, là? Ouais, c'est bon. Ils ont ouvert la porte. Super. Allez, on va à côté de lui. C'est bon. Mais c'est pour ça, tu vois, je voulais le faire Temtem et du coup je savais qu'il sortait sur PS5 mais pas sur PS4 et j'étais chaud moi pour le faire, tu vois. Clairement. Punaise, celui-là il va être dur à battre, je pense. Il va être dur à battre, je pense. Hop. Nouvel objectif défini, d'accord, il y en a partout en vrai. Hop là, dommage ma chouchounette. Il va essayer le gardien. Allez, on va essayer de lui faire mal. Ouais. Alors, on n'a pas de quoi le... Allez, fais voir. Ouais. Allez. Bien, il y a des points de partout, lui. Ça a switché de partout. Vraiment, clairement, là, on voit bien qu'il y a du monde un petit peu de partout, là, sur la carte. Allez, coup de foot fatal. Allez! Autant pour moi, c'est de ma faute. C'est bon? Hop! C'est tellement dur. Il est bien long celui-là à voir. Allez! Dégage, il va falloir qu'on soigne aussi par contre. Ça nous redonne un peu de vie l'ulti, mais... Hop, du coup, regarde, tu sais ce qu'on peut faire? On peut faire un truc comme ça. Non, c'était pas ça. Je me suis trompé. Mais disculpe pas les gars. Ouf. Allez! Allez, tu te calmes. Allez! Voilà les gars, allez, c'est bon. C'est réglé. Waouh! Ces batailles, elles sont épiques. Vraiment. C'est tellement, tellement agréable. Allez, fais voir. Qu'est-ce qui se passe? Éliminer les ennemis qui se rapprochent et sauver Pharah et ses alliés. Alors, est-ce que c'est où? Le problème, c'est que c'est où? Je les vois pas. Je suis censé les avoir. Ils sont censés être là en vrai. En vrai, ils sont censés être là. Est-ce qu'ils sont là? Non. Mais c'est bizarre. Attends, il y a quelque chose là, on va le casser. Encore au goût, les gars. Trop bien. Hop, un petit coffre. Mais génial. Génial. Est-ce qu'on a autre chose de l'autre côté? Fais voir.
En fait, ils sont plus bas, je pense. Putain, c'est des fois ça fait dur avec la caméra. Je vous avoue que c'est. Allez hop, venez les gars, on descend. Tu sais ce qu'on pourrait faire? On pourrait vraiment faire ça là. Du coup, Link est au bon endroit. Par contre, on pourrait faire ça. Regarde. Bim. Et Impa, on pourrait la mettre là. L'amener par la main. Ah, on peut pas. Ah, on peut pas. Bravo. Ok, tu dégages, s'il te plaît. Ce serait bien quand même. Hop là, dommage. C'est bien tenté, mais c'est pas bon. Allez, dommage ou pourtant, c'est pas grave. Les gars, s'il te plaît. Voilà pour toi. Allez, celui-ci c'est fait, les gars. Ah oui, il y en a encore un. Salut. Mais alors? Mais qu'est-ce qui t'a... Mais qu'est-ce qui se passe, donc, garçon? Il y en a beaucoup. Allez. Allez. Dommage, c'était bien tenté. On avoue que c'était bien tenté quand même. On peut l'avouer, punaise, mais il y en a de partout, ça, ça pas de Noël le truc. Donc là on peut éliminer les ennemis, mais en fait avec qui on veut, c'est pas un problème. Est-ce qu'on passerait par là? Peut-être oui. Parce qu'il y en a de partout en vrai. Et on va essayer de retourner vers... Ça doit être l'entrée, non? Oula, salut. Alors, tu vas calmer déjà. Tiens. Voilà. Hop. On va faire ça. On va lui envoyer 2-3 bombinettes aussi, les gars, histoire de. Ah, purée, purée, purée. Dommage, bien joué. Voilà, on s'est protégé, bim. Allez, maintenant que je lui lance des bombes, tu vas voir, il va venir et puis... Tu dégages, allez. Allez. Ça c'est fait. Alors éliminer les ennemis, ça c'est bon. Il y a un autre gardien qui est là, il me semble. Yes papa. Et en fait, hop, tu dégages, tu te calmes. Ah, il y a Daru juste dehors en vrai. On l'avait pas vu. Voilà. Allez. Alors. Oh, comme un malmen. Ah, le mec, il est. Il a pas de bol, hein. Jean-Charles de son prénom, parce que là, pff, on n'y fait pas que du bien. Pas que du bien, pas que du bien, clairement. Ok. Écoute, ça m'a l'air d'être bien. Alors, on apparaît sur le champ de bataille, mais on est plutôt pas mal là. Ah oui, non, il y en a partout en vrai. Alors, ce qu'on va faire. Je pense, hein. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'il faut vraiment maintenant sortir de là. Je suppose, hein. J'en suis pas sûr, mais je suppose. Alors, nouvel objectif, yes. Ça va. Ouais, là il faut clairement se bouger.
de là. Wow, il y en a partout. Allez. Allez. Allez, ça dégage. 3. Yes. Petit coup fatal. Et on est bon. Voilà pour vous. Mon bon garçon. Alors, attendez, on va quand même repasser. Il serait bien de repasser par la carte. Il y en a mais deux partout, les gars. J'en ai jamais eu autant, mes amis. Sérieux, c'est la fête à nono. Est-ce qu'on peut... On va essayer de faire ça. Mais 2 secondes 50 après. C'est vraiment la fête à nono, tu sais. Les gars, là, moi, je veux bien... Hop, on va prendre l'inox. Ouf. Ah non, non. Il y a Jean-Maurice qui était derrière nous, qui nous a pris en traître. Hein. Je tiens à vous le préciser, parce que c'est quand même pas sympa. Hop. Tiens, vente ton œil. Sérieux, les gars, là. Oh. Vous avez vu que moi, si vous vous barriez... Oula. Allez. J'ai pas le temps. Oula. Itinéris. Hop. Allez. Tu te calmes. Tu dégages, s'il te plaît. Voilà. Passer un petit peu de l'autre côté après, les gars, parce que il faut qu'on passe par la carte et qu'on regarde ce qui s'y passe, parce que sérieusement, hop. Alors là tu sais ce qu'on pourrait faire, on pourrait faire un truc comme ça en vrai. Allez, ça dégage. Allez, viens chouchou. Alors c'est pas très critique pour lui, c'est rigolo ça, je pensais que ça lui ferait bien plus mal que ça en vrai. Mais non, pas vraiment. Oh. Mais on... Ils sont tellement nombreux, mais c'est pas... C'est sérieux, là. Vous êtes sérieux, les gars? Bah là, ils sont des millions. Je sais... Allez pour ici. Comme ça. Hein. On est à peu près, mais c'est pas grave. On n'y voit rien, mais c'est rien. Tout va bien. Hop, on prend celui-ci là. Voilà. Allez. Dégage. Allez. Allez, petit coup fatal ici. Tu dégages. Allez. Oh non, ça l'a pas bloqué. T'es sérieux là? Putain. Ça l'a pas bloqué. Ah, le coup fatal de mec.
Ah purée. Ah, ils sont des millions en vrai. Ça, je sais pas du tout comment on va pouvoir gérer tout ça là en même temps. Je ne sais pas comment on va pouvoir gérer tout ça en même temps, mais aïe. Mais tu te calmes, oui. Ça va, oui. Ok, allez, attends, fais voir. On va passer comme ça là. On va demander aux choupinettes d'aller en bas en vrai. On va demander aux choupinettes d'aller en bas. Nous, on va aller s'occuper de l'autre là-haut. Darouk va venir avec nous peut-être, mais c'est pas sûr. Et Impa, elle va descendre aussi ici. Voilà. Non. Impa, ce qui serait bien, c'est qu'elle vienne là en vrai. Voilà. Impa, tu viens là. Mifa va ici et nous, on va aller par là. Non. Ah, j'ai fait des bêtises. Voilà. Hop. Allez, c'est parti. Est-ce que c'est le bon endroit? Non, pas du tout. Ça doit être par ici. Exactement. C'est par là. Ok pour vous les gars. On va venir nettoyer ici. Bon, est-ce que je suis au bon endroit? Non, c'est juste un petit poil plus bas en vrai. Voilà, c'est ici. Oula, salut les filles. Mais... Oh, combien vous êtes? Sérieux? Oh. Ils sont trop nombreux en vrai. Ils sont vraiment trop nombreux. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire ça? On doit pouvoir le faire. Mais ouais, ça c'est pas gagné. Voilà, comme ça, on est bon. Donc l'autre nous voit pas, donc on va rester comme ça pour l'instant les loulous et puis on verra bien. Wow, ils sont sérieux là? On voit rien du tout. Je vais essayer d'utiliser l'ulti. Mais effectivement, ça fait pas grand chose, mais bon. Ok, petit coup fatal ici, mais. Je vois vraiment pas. Ok, déjà 2-1. C'est pas grave, le deuxième il est où? Allez, on va essayer de... Oula! Punaise, j'avais pas vu les gars. Alors, fais voir. On fait comme ça, on va venir ici, on va faire ça. Normalement, ça devrait pas lui faire du bien. Ah, pas tant que ça, remarque, pas tant que ça, regardez. Allez, tu te calmes. Ok. Comme ça. Ça marche pas mal, ça bloque quand même. Clairement ça bloque et non c'était pas du tout ça, c'était pas grave, c'est bon, ouais, tant pis, on y est, c'est pas grave, j'ai utilisé, tant pis, c'était pas du tout ce que je voulais faire, mais hop, allez vas-y, casse lui les pattes s'il te plaît. Quoi? Voilà, merci. Waouh! Non, c'est passé juste, hein, les gars. C'est passé très juste, vraiment. Ok pour toi. L'autre nous a déglingué derrière. Mais c'est pas grave. Allez, il faut y arriver. On va y arriver de toute façon, les gars. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire ça. Et est-ce qu'il est juste derrière?
Voilà pour toi. Hop. Ah non, c'était pas ce que je voulais faire. C'était pas du tout ce que je voulais faire. Zut alors. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais pas du tout. Voilà. Allez, ça dégage. Ouais, ils sont vraiment durs par contre. Il est un peu rouge lui, ouais un petit peu. Je suis plus blanc moi, mais bon. Allez tiens, on va essayer de faire un petit peu ça là parce que... Il y a mon copine juste en bas là, je le vois bien. On se recule un peu. Ok. J'essaie de viser dans l'œil, mais c'est pas évident. J'essaie vraiment de viser dans l'œil, mais c'est pas évident, les gars. Allez. Allez, c'est bien. Parfait les gars. Allez, on y va, on y va, on y va. Alors il faut que je regarde sur la... Non, petit coup fatal s'il te plaît, merci. Faut qu'on regarde sur la carte par contre ce qui se passe là-haut. Putain, on a passé de level les gars. C'est tellement bon. C'était tellement dur et c'est tellement bon. Allez, on va passer avec Mipha. Tiens, tu viens là toi s'il te plaît parce que là... On en a assez... Alors qu'est-ce qu'on a? On a tellement de trucs là. Attends. Mais les gars, si vous évitiez me gangbang, ce serait vraiment bien quoi. Sérieux, ce serait vraiment bien. Allez, va pour toi là. Allez. Allez le sorcier. Merci. Un petit coup faible pour le sorcier. Waouh. Mais quelle bataille. Mais quelle bataille les amis. Mais c'est incroyable. Ok, petit gardien. Hop là, dommage. Voilà. Petite esquive qui va bien et qui tombe au bon moment en fait à point nommé parce que là j'avoue que... Ok, va pour toi. Alors éliminer les ennemis menaçant la forteresse. Qui menace la forteresse, je pense qu'on est quand même pas mal là. On va agrandir un petit peu la carte histoire de voir. Ok. Allez, nouvel objectif défini. On va attendre que ça pop comme Iggy. Encore là-bas là, sérieux. Ok. Allez. Pas mal. Pas mal les gars. Très content. Très bonne bataille. Vraiment. Du coup, ils ont cassé le pont. Si je connaissais le con qui avait fait sauter le pont, les gars, je vous le dis, ouais. Pas terrible. Ok. On y paille de l'autre côté. Bien. Donc le pont est là. Je sais pas si on peut y aller. Je sais pas où est-ce qu'il est Link en vrai. On va essayer de faire le tour. Éliminer tous les ennemis. Mais avec beaucoup de plaisir et beaucoup de tendresse. Ça va être que du bonheur en vrai. Attends, on va nettoyer ça quand même parce que faut pas déconner. Viens ici. On est déjà venu hein, dans ce château, on a déjà fait plusieurs batailles déjà. Donc on commence à connaître. Là-bas il y avait un Korogu qu'on a récupéré déjà. Est-ce qu'ils nous l'ont remis? Je pense pas quand même, faut pas déconner. Mais allez, on va l'aider Impa et puis après on fera pour le reste. Allez. Alors je sais, hein, on devrait être ailleurs normalement, mais voilà. On va récupérer ce qu'il y a là par contre parce que ben c'est assez bon. Il en faut quoi, il faut des rubis. Clairement il en faut. On est quoi à 11 000.
Il nous en faudrait un peu plus parce qu'après il va falloir farm un peu la forge. Ok Link, on est là, il faut aller où? Il faut aller en face mais on peut pas, c'est ça? Est-ce qu'on peut descendre? Sauter, oui. Ok, cool. Et là? C'est là, oui. Peut-être pas, je ne sais pas. Si, c'est là, regarde. Combien vous êtes les gars? Parce que là, ça fait beaucoup après. Hein. En seul homme, ça fait beaucoup en vrai. Alors, hop, j'ai pas eu le temps. Voilà. Allez. Ouais, et deux. Purée. Alors, fais voir. Ce qu'on va faire, c'est ça. Est-ce que ça l'a stoppé? Je suis pas sûr, mais c'est pas grave. Est-ce que... Merci. S'il te plaît. Fais voir. Oh. Ok, loupé les gars. Faudrait apprendre à viser, ce serait pas mal hein, pour vous, hein, moi je dis. Tiens, tu dégages. Ouais, c'est... Il est tellement foufou celui-là. Hein. Il a essayé de nous la faire à l'envers, le mec. Allez, tu te calmes, on dirait Michael Jackson, arrête un peu. Ouah, je l'ai pas eu. Putain, j'y suis pas arrivé. Quelle nouille. Mais quelle nouille, les gars. Hop, allez, fais voir, ça va dégager. Allez, clairement, il nous reste pas grand chose. Voilà, ça ira mieux comme ça. Dans l'œil, non, j'y suis pas arrivé. Hop, on essaie, c'est pas grave. On va faire ça. On va. Ouais, ça devrait aller là. Là maintenant, les gars, je pense qu'on est bien. Allez. La bataille a été longue, vraiment. Mais on y est arrivé. Très bien, très belle bataille, très bonne bataille, les amis. Ah ouais, vraiment, très belle bataille, la bataille d'Akala. Clairement, ça fait pas avancer, ça fait avancer l'histoire principale et je vois que les batailles sont de plus en plus longues et de plus en plus complexes. Mais quoi? Mais une hache de gardien, t'es sérieux? C'est Noël les gars. Punaise, pardon. Excusez-moi. Non. Clairement pas mal. On va s'atteler à faire ça. Heureusement qu'on a chargé un tout petit peu nos armes. Alors, ouais, clairement, on va les plus petites en fait. Hein. On va lever les plus petites. Donc celle-ci, ah bah une seule, il fallait. Donc c'est cool. On va repasser par la forge. On va faire un petit peu de remaniement d'armes, de fusion d'armes. Et puis après, je pense que on s'arrêtera là. On va passer sur du Immortal Phoenix Rising. Rising, si vous voulez, les amis. Sinon, on peut continuer ça. Oh, un fragment d'étoile, génial. Récompense de victoire. Bah bon, bravo. Oh, on a fait 12 000 quand même. Hein. On a gagné près de 4 000 rubis finalement. Non, je dis des bêtises, peut-être plus 3 000 rubis, mais c'est pas mal, hein, vraiment. Clairement, ça va nous aider pour ce qu'on a à faire maintenant. C'est-à-dire de la fusion d'armes pour essayer de upgrader un petit peu tout ça. Mais avant ça, je vous laisse regarder la suite tranquillement. Ah, je croyais qu'il y avait une cinématique, autant pour moi. Ok, nouvelle bataille. De nouvelles choses encore à faire. Pouah. Punaise, c'est Noël les gars. Allez hop, n'en jetez plus, la cour est pleine. Ah, il y a d'autres chances pour Link, regardez. Ah, le top. Ça va être top mammouth, les gars. Ok, bataille de la muraille des limites. Ok, parfait. Allez, on va regarder un tout petit peu quand même ce qu'on a à faire. De quoi a-t-on besoin? Donc, c'est un nouveau combo à l'épée à deux mains. Ok. Ici, c'est quoi? Deux cœurs max de plus pour Link. On peut les faire, donc on va les faire. Oui.
Génial. Ouais, ça c'est le GG le plus total, les gars. Eh, ça commence à être propre au niveau de la vie, là. On commence à être vraiment bien au niveau de la vie. J'ai vu qu'il y avait d'autres choses. Waouh ! Super ! Allez, on a débloqué la région. Déesse sous la neige, le bloc de glace recelait bien une statue de la déesse. Ok, allez, deux cœurs max terminés, ça c'est fait. On a pas mal de choses qui sont en train de popper. Donc attends, je fais un petit tour, on fait un petit check. Hein. Du coup, ça c'est pour tâche monumentale. On a demandé à un fabricant d'armes du village d'Ora de construire un énorme monument en pierre et se retrouve complètement submergé à l'aide. Armes forgeables au max une fois de plus. Ah oui, on va faire ça. On va faire ça. C'est un résultat admirable. Eh ben écoute, si c'est un résultat admirable, on est content. On ira voir après. On ira voir après ce qu'il faut que je regarde, si c'est pour Mipha ça ou pas. C'est pour Mipha. Alors ça, on va le faire de suite, les gars. Bim. Une jauge de CF plus importante. Alors là, que du bonheur. Ok, terminé, ça c'est bon. Si on pouvait avoir la même chose avec Link, mais c'est pas grave, on va jouer Mipha à fond, hein, moi je vous le dis. Hein. Jean-Mier Zora, parfait. Je suis amoureux de son gameplay, il est vraiment, vraiment sympa. Il va bien. Sidon, 2 cœurs max, alors. Pas besoin. Mipha, 2 cœurs max de plus. Donc ça, par contre, oui, on a besoin. J'ai vu qu'il y avait des maracas ici. Emplacement de récompense de niveau 2. Ok, alors fais voir. On va regarder là si on peut acheter. C'est la noix de coco. D'accord, ok, j'avais pas vu. Je pensais que c'était les baies. En vrai, mais pas du tout. Bon, on va essayer de pas trop dépenser par contre. Du blé, on va en prendre encore. Yes, papa. Alors, ça, c'est des combos pour Teba. C'est quoi? Nouveau combo pour Evali. Ok. Donc ça, attends, on va attendre un petit peu. Là, il y avait quelque chose, mais on ne l'a plus. On a des plats ici. Oh, on a débloqué pour Link aussi. Ouais, on a débloqué pour Link ici. L'épée à deux mains. Allez, hop, on va le faire. Au moins pour Link, on est bien. On progresse tout doucement, les amis, vraiment. Là, entraînement de Yonobo. Ouais, de la pluie, ok. Qu'est-ce qu'on a là? Allez hop, ça on va faire. Impressionnant. Bravo. Mais de rien. Ok, masque Mobloblin. Nickel. Allez, tout ce qui clignote, on va le faire de toute façon. Ça fait avancer le Schmilblick, ça fait avancer la vallée, ça fait avancer un petit peu tout. Et du coup, on est bien. Donc là, on est bon. Là, allez hop, on va aller hein, du côté des armes. Ne t'excite pas, mon petit nono, le petit robot. Ok, va pour Teba. Ok, là aussi. Parfait. On a débloqué pour Rivali, donc on va y aller. On dirait que ça a bien marché. Petit combo pour Rivali dans les airs. Ici, qu'est-ce que c'est? Quelle réussite. Moins 5 à la guide des forgerons, ok. Moins 5%, ça c'est bien au niveau des prix, ça va nous aider. On va venir ici, on débloque un peu tout ce qu'on peut débloquer. Je suis désolé, c'est un peu fastidieux les gens, mais il faut bien le faire. Inflige 10% de plus. Ah, bravo, pas mal. Effet du plat, dégâts infligés, plus 10%, ça va être bien ça. Et là, un chef réputé est à la recherche de nouvelles saveurs et des recettes à partir de fées. Bah écoute, on en a, donc on va t'en donner. Ce que ça va nous donner, mais parfait. Ok. Tous les cœurs restaurés une fois s'ils tombent à zéro. Ah, j'aime bien, parfait. C'est Noël, hein, les gars.
Mais je vous avoue que là, c'est plutôt pas mal ce qu'on a. Est-ce qu'on a fait le tour? Je pense qu'on a fait le tour. Non, on va venir ici au niveau de Sidon. Suis-je devenue plus forte? Deux cœurs max, mais parfait, mais parfait. Oh punaise, Mifal commence à être goldé, les gars. Il faut qu'on l'essaye. On va partir faire une mission, on va aller l'essayer, ça va être que du bonheur. On va aller voir son frère, là aussi ça clignote. Bim, on remplit un petit peu tout ça. Oh punaise, mais il y en a de partout. Je suis devenu plus fort. Ok. Deux cœurs max aussi pour lui. Lui par contre, ce qui lui manque, c'est vraiment les... Tiens, on va mettre ça en détection. Lui, ce qui lui manque, c'est les combos, mais c'est pas un... Qu'est-ce qu'on a là? Traverser des volcans. C'est pas un, vraiment pas un gameplay que je trouve foufou et qui nous plaît vraiment. On va... Il y a tellement de batailles, tellement de batailles. Je sais pas pourquoi c'est faire tout ça, mais il y en a. Qu'est-ce qu'elle veut? Ok, combat du feu. Pas mal, temps limité. Limite de temps extensible. Et ça nous donne une récompense qui peut être pas mal. Ça tient si on le faisait. On a des bons adversaires. Donc on va le faire. On va le faire. Niveau 46, Mifal et niveau 46. Ça peut le faire. On le fait avec Link si jamais on est embêté. Mais on va l'essayer. On va l'essayer. On va le faire. Hein, mais 2 secondes 50, il faut aller forger des armes d'abord. Où est-ce qu'elle est la forge? Loïc? Oui, ici. Autant pour moi. On est obligé. Forger au max. C'est quoi forger au max? Matériaux nécessaires. D'accord. C'est la première fois qu'on fait ça, donc j'en sais rien en fait. Est-ce qu'on peut le faire? Poisson, 30, ok. Écoute, il y en a 87 là. Il y en a 100 et des brouettes là. Dans un 30, hein, on s'en moque. Bim. Ok. Après, ça, il en faut 50. On va voir ce que ça donne, les gars, je sais pas du tout. Bim. Ok. Et on peut donner n'importe quel paplard. Bah ça alors. Bah donner... Renforcer. Ça donne quoi finalement? On essaie? Allez, on essaie. Ah oui, 82. D'accord. C'est devenu une bien belle arme. Ah bah ouais, tu m'étonnes. 20-25 et on est 82 là. Écoute, pas de problème. Ok, par contre on peut le faire qu'une seule fois. Ok, allez, fais voir, on va fusionner les armes. Donc je pense que si on peut faire ça en vrai en plus. On peut faire ça. Et là on peut faire, regarde. 28, 32, 26, 23, faire un truc comme ça. On fusionne. On va voir si on arrive à faire upgrader encore tout ça. Ça fait un triton de Gerudo de toute beauté, les gars. Et donc on prend ça. Et le trident. Ah ouais. Et là on va fusionner encore. Ça nous fait monter mais tellement haut. On va faire la même chose avec Mif. Ouais, on va faire ici aussi. Oui. Ok, on va le faire regonfler encore une fois. Donc ça c'est niveau 16, ça c'est niveau 6, c'est ça. Donc niveau 6 mais 47, niveau 16. Donc si je fais ça, et qu'on fait ça, ah c'est pas mal. Hein. Voilà, bim.
Fais monter niveau 40, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. On reste un tout petit peu. Étoile des neiges, mon cœur amoureux, Lionel. On reste un tout petit peu dans les trucs. Désolé, on va passer sur Mipha. Qu'est-ce qu'on a, Mipha? Alors, Mipha, elle va... On va faire ça, 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 ça. On va essayer d'upgrader un petit peu tout ça, là. Bim, on fusionne. Putain, ça part tellement vite, l'argent, les gars, hein. Hallucinant. Hallucinant. Attends un peu. Sinon, alors ça... Alors non, ça fonctionne pas dans ce sens-là. Est-ce que je peux faire... Oui. Ici, ça fonctionne. Bim, 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 et bim. Et on fusionne. Allez, nos trois mains préférés, ils ont ce qu'il leur faut. On va pouvoir partir à la bataille. Ba-da-na-na-na-na. Retirer des seaux, dérouiller, non, c'est bon. Allez, on y va. Donc, je pense qu'on pourrait essayer, on avait vu cette bataille là, qui était de toute beauté, non, avec, ouais, celle-ci. On est niveau 46, on va le faire. Est-ce que j'y booste son niveau? On peut le faire, hein, les gars, si on veut. Est-ce qu'on peut booster son niveau? Oui, on peut le faire, regarde. 57, on va lui monter jusqu'à 55, je pense. Ça coûte 2000 quand même. Hein. Mais bon, allez. Allez, pour notre Mipha national... On peut, mais on va faire. Il faudrait qu'on fasse plus de trucs avec elle, clairement, parce qu'elle est vraiment tellement bien. Allez, je vous embarque. On est parti. Effet de plat. Eh ben oui, regarde, on en a un nouveau. Plus 10% de dégâts infligés. Et puis, on va faire moins 5. Attends, je dis des bêtises, il y a du feu. Alors, on va essayer de se protéger du feu. Exactement. Bim, on cuisine et on est bon. De toute beauté. Non, c'est 100 E commande. Lio. Je crois. Il me semble que j'ai mis 100 E, ouais. Ba-da-na-na-na-na. Voilà. Je voulais partir sur du Immortal Phoenix Rain. Mais je crois qu'on va rester là-dessus, finalement. On va se faire le live, 3 heures de live là-dessus. C'est, tu vois, parti comme c'est parti. Mais il n'est jamais trop tard. On peut passer une petite heure après, si vous voulez, sur Immortal. Ça nous fera balader un petit peu. On ira balader en chantant la. Mais là, je t'avouerai que... Enfin, je vous avouerai que là... moi, ce jeu, il m'éclate, quoi. Vraiment, l'histoire, elle est prenante. Et... c'est ça, mais pardon, l'histoire est vraiment très très prenante et c'est pas mal. On va se faire une petite pause dans 2 secondes 50. On va se faire cette bataille là, puis on va peut-être changer. Ouais, effectivement, oula, punaise, il y a du monde. Ok, allez, ça dégage, éliminer les monstres. Donc, c'est dans l'autre sens, il me semble. Hein. Je vais rien dire, mais est-ce que non, peut-être un peu plus par la remarque dans l'autre sens, Loïc. Punaise, il y a... Et en plus, il y a un temps limité, tu sais, t'es sympa, on sait pas où aller encore, c'est par là. Je pense qu'on va aller par là. Ouais, c'est ça. Donc là, toujours, quand il y a du temps, il faut pas niaiser, on n'a pas le temps, en fait. En vrai, donc, on essaye de remplir nos jauges au maximum, mais il faut avancer. Il faut avancer, tu peux pas faire autrement. Tu peux pas rester parce que tu vois le temps, il est vraiment éliminer le monstre de feu allié, donc tu peux pas passer du temps comme ça. 1 sur 5, donc ce qu'on pourrait faire par contre, tu vois, c'est envoyer Link. Il est où Link? Il est là. Ah, il pourrait libérer cet endroit là, Link, pour d'accord, j'ai compris. Link il ouvre cet endroit là et ça peut lui permettre d'accéder sur les autres côtés. Ben, il va pas falloir niaiser, moi je vous le dis les gars, parce que là il y a du monde. Allez, hop, non, voilà. Ok, allez, où est-ce que c'est par là. Voilà, il y a copain mon cobine de feu là-bas. On va y aller avant que.
Ouf. Ouais, alors tu sais ce qu'on va faire. Ah, sérieux? Clairement, clairement on a eu chaud. Allez, c'est bon les gars, vous en faites pas, ça va bien se passer. Mais par contre, il faut y aller vite. Par contre, il faut y aller vite. Et coucou mon pantou, comment tu vas? Bienvenue mon chouchou. Allez, ça dégage, s'il te plaît. Merci, petit coup fatal, et on est parti. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Vu le compteur qui tourne là. Ah punaise, d'accord. Ok, ça va, j'ai compris. Tu regagnes du temps quand même quand t'en es soudain, tu regagnes du temps. Allez, on va par là. Est-ce que c'est ici? Oui, ça m'a l'air en tout cas. Allez. On dégage avant que il nous explose. Eh ben. Mais c'est pas grave, c'est très très gentil d'être passé en tout cas. Merci mon pantou. Merci mon bon pantou. Donc là, je pense que si on arrive à dégager tout ça là, on sera pas mal. Et on arrivera à ouvrir la porte juste là derrière, il me semble. Il faut faire dans ce bout là, mais ce qui serait pas mal du coup, c'est que je vais nous mettre le boss, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde là dessus ici. Non, hop, allez, vous dégagez les gars s'il vous plaît, on n'a pas le temps de niaiser nous. Mais en tout cas c'est gentil d'être passé. Quoi de neuf mon pantou, comment ça va? Est-ce que tes missions se passent bien surtout, et est-ce que tu es en forme? Vite le temps que tu es là en vrai, si c'est... Non, pas de gros, on n'a pas de gros, c'est un peu dommage. Voilà. Sérieux les gars, j'aimerais bien pouvoir passer la porte là. Est-ce que tu nous donnerais le boss d'ici ou pas, hein? Ou est-ce qu'on peut... Non, on peut pas, donc... Donc voilà, ce serait pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on va finir par mourir, hein. Et c'est pas bien. On veut pas nous mourir. N'est-ce pas? Il y est? Ouais, il y est. Regarde, il est là. Jean-Maurice, tiens, fais voir Jean-Maurice. Allez, tu dégages. T'es encore à Pertuis, d'accord. Mais ça se passe bien ou... Hop là, dommage. Allez, tu... deux, s'il te plaît. Merci. Eh, hey, salut ma Soso. Bienvenue Soso. Bienvenue à tous. Installez-vous confortablement les amis, je s'occupe de tout, vous s'occupez de rien. Et on est sur un jeu bien bourrin, comme on les aime. Allez, par contre, il faut se bouger parce que là... Oh, putain, on l'aura jamais. Sérieux, on l'aura jamais. Est-ce qu'on peut faire ça? Hop. On va faire ça. On va faire ça. C'est vrai, t'as gagné Sonic 3? Sérieux? Non, c'est trop juste, les gars. Allez Loïc. Yes papa, vas-y, coup fatal. Oh. Non, c'était tellement dur. Alors par contre là il va vraiment falloir y aller vite. On n'a pas le temps de rester discuter avec quoi, hein? Allez, on n'a pas le temps, laisse-nous tranquille. Sinon on va mourir. Alors est-ce que c'est par là? On va faire attention, je pense que c'est par ici. Et, merci mon gagnon. Ah, sérieux. Et oui, on a eu chaud. Allez, viens là. On va commencer par ça. C'est chaud les marrons les gars là, je vous le dis, on est pas loin de la crise d'apoplexe complètement. Est-ce qu'on peut faire comme ça? Non, comme ça. Oui, tu te calmes s'il te plaît. Hop, c'est dommage, c'était bien tenté, mais vous avez vu l'esquive, et me dites pas qu'elle était pas de toute beauté. Hop là, et celle-ci, elle vous a plu ou pas? Est-ce que vous croyez que... Voilà, on va y remettre un coup comme ça.
Allez, petit Inox, toi qui n'as pas d'aile, ah, tu peux pas voler. On va faire ça, bien sûr. Et ça va être de toute beauté. Ah non, sérieux? Ah non, elle m'a troll. Elle m'a troll, la bougresse. Alors, explique-moi pourquoi. Pourquoi. Ah bah, quand même! J'ai failli attendre. Allez, c'est bon, les gars. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu pour le réveillon? Mais écoute, je suis chez, chez Frère la Galère, avec la famille. Et écoute, on a prévu de passer un bon moment ensemble. Mais ouais, c'est vraiment une période de l'année que j'adore, moi. Donc, alors j'arrive pas à voir parce que c'est derrière l'ordinateur, bien sûr. Mais ouais non, clairement, c'est vraiment que du bonheur et que du plaisir, et ça va nous faire du bien en fait d'être tous ensemble. Petit repas tranquille, et ouais, Pantou, je suis désolé mon Pantou, tu sois obligé de travailler pour malheureusement pour surveiller les gens. Je suppose que c'est pour ça. Et crois-moi que je me doute bien que ce soit pas de toute drôlitude pour toi. Mais ouais, effectivement. Ouais, c'est par là. C'est par là, on y est presque, les gars. Il y en a un ici. À combien on est? 2 minutes. Il faut se bouger la nouille. Hein. Il faut vraiment que je bouge la nouille. Salut. Hop. Hop, voilà. Allez, on a pris. Il est devant nous. Il était là dans son fauteuil, spectateur du premier jour, comme un père débordant d'orgueil à celui qui donnait son tour. Bah tiens, on va faire comme ça, hein, du coup. Désolé. Alors ça lui fait pas mal, tant mal que ça, mais bon, ça le bloque un peu. Et ça nous permet de varier les plaisirs, en vrai. Qu'est-ce que tu veux, mon chouchou? On va faire ça, tiens. Tu vas t'arrêter. Dommage. Ah putain, avec le souffle court. Allez. Coup de fou fatal. J'ai gagné. We did it. Et mais elles sont de toute beauté, ces batailles. Alors par contre, je vois plus en fait. Je sais pas dans quel sens il faut que j'aille. Écoute, on va passer par là. Mais je vois pas la carte, elle est vraiment tellement cachée. Elle est vraiment tellement cachée là. T'sais. Oula, salut. Salut les filles. Hop, attends, fais voir. Je pense qu'on a le temps si on fait ça. En vrai, j'avais vu ça, donc je voulais récupérer ça. Les petits cocoffres dans la popoche, les gars. Eh ben, il est là, le bougre. Non, où j'ai rêvé? Ouais, il est juste là. On y va? Allez. 1, 2, à 3, on saute. Oh, le joli Lidl. Voilà, déjà tu commences par te calmer, mon Linel. Je vais te le dire, moi, tu te calmes. On va te mettre dans son là. Voilà. Oh là. Mais. Et il est vénervé, le mec. Ah ouais, j'aurais pas dû faire ça. J'avais pas vu. My bad. Non. Ah, près Loïc. Voilà. Ma faute, ma très grande faute, j'y étais pas. Oh, ça fait tellement mal. Il faut le squeezer. Et mercredi. Il faut le squeezer sur le côté, en vrai. J'ai pas fait gaffe. Attends. On est à 1 minute 44. Ça passe easy cacahuète. Clairement, on est pas mal. Allez, regarde. Là, on va lui faire bien mal. Allez, viens ici. Voilà. Petit coup de foudre fatale. Ça devrait le faire, vraiment. On devrait avoir le temps de se le...
Alors, c'est sur le côté qu'il faut se mettre. On était un peu loin. Et là, clairement, petite... Oh, l'esquive et tout, mais qui va bien? Ah, mais les gars, je vous régale pas, là? Non, mais parce que moi, je me régale, en tout cas. Vous, je sais pas, mais moi, vraiment... Ouais, là. Hop là, dommage. Eh, Liam. Putain, les esquives successives, là. Il a pas de chance, le mec. Ouf. Par contre, putain, il est goldé, le mec. J'ai pas le temps. Allez. En fait, faut donner de la force à tous ceux qui travaillent dans cette période. Mais ouais, mais complètement. Ouf. Putain, tu vois, j'ai pas le temps. Hein. Je pouvais pas, il y avait le portail. Jean-Michel portail. Et du coup, je pouvais pas me pousser. Il y avait Jean-Michel portail et mais là, il faut. Non, c'est bon. Ça doit être bon, regarde. Ça va être bon. Ça va être bon. Ça va être bon clairement, ça va être bon une fois, ça va être bon deux fois, ça va être bon trois fois, et bim, on y refait la même. Dépêche 18 secondes 18 secondes, les gars. On est arrivé pour 18 secondes. Ouais, clairement, ça gâche un peu tout. Je t'avouerai que ça gâche un peu tout, mais bon, on va rester en famille, et puis voilà, nous, on ira... Le copain de Jean-Michel, mais bien sûr, on ira chez des amis pour le réveillon du jour de l'an, et puis on dormira là-bas, et bon, bah, faut faire un mauvais sorti de bon cœur, qu'est-ce que tu veux, on est bien obligé. Mais c'est comme ça, hein. T'es la ville, il dit, ok, allez, on est bon. On a une belle récompense, là, clairement. Mais en fait, mince, j'ai pas d'eau, tu sais, en fait, Darouk... Comment te dire, mon petit Darouk, toi qui n'as pas d'aile, que tu peux pas voler. On va lever ça. Et il faudra qu'on lui fusionne quelques armes à lui aussi. Il faudra qu'on lui fusionne quelques armes, j'avoue. Un petit pantalon. Parce qu'on aime bien. Tiens, pour lui changer sa tenue. Ce serait pas mal. On va remplir un petit peu d'eau. Eh, salut mon palme. Comment tu vas? Désolé, hein, les gars, je me sers un peu d'eau. Comment il va le meilleur, the best player to the Among Us, to the BB News, the Buckingham Palace, les gars? À la vote, les gars. Oui. Comment il va? Punaise, elle était mais tellement bien. On est niveau 51, 58, on est tellement bien avec elle. Alors ça c'est l'entraînement de Théba. Non. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre? Tiens, il nous dit viens là petit. Maman est près de toi, il faut lui dire maman c'est quelqu'un pour toi. Escorte du prince, ok. Niveau, ouais on peut le faire. Ouais clairement on peut le faire les gars. Alors écoute, il se trouve que je suis je suis prolongé jusqu'au 31 décembre donc tout va bien. Mais tant mieux, bravo. Alors la commande de Soso, c'est la meilleure commande number one. Ouais, je suppose, ouais. Et j'ai eu du nez, t'as vu, quand je l'ai créé, il m'a fallu du temps avant de la trouver, celle-là, mais oui, clairement. Alors attends, fais voir un petit peu, on va mettre ça. Les framboises. Est-ce qu'on a d'autres trucs? Ça, c'est des combos pour Yonobo. Bah, il va falloir le faire, mais c'est pas la mairie. Est-ce qu'il y a une bataille, quelque chose pour voilà qu'on n'a pas déjà fait pour récupérer le truc avec le chose? Peut-être. Fais voir ici. Ouais, bon, on va faire celle-ci. Comme ça, on va récupérer un petit peu de vie que tu ailles. On va prendre ça. On va peut-être upgrader notre rapidité. Et je pense que c'est bien. Je pense que ça va bien. Dégâts infligés plus 10%. On peut faire ça aussi. Ça me paraît correct, comme dirait l'autre. On va cuisiner ça. Et on est parti.
Alors normalement jeudi matin peut-être je vous ferai un live non prévu les loulous, je sais pas trop encore si je peux vous en placer un petit, je vous en placerai un petit, mais sinon on n'aura pas de live jusqu'à dimanche. Par contre ça m'embête un peu parce que c'est les vacances et que normalement je devrais vous live, mais bon c'est comme ça, on va profiter de nos familles gentiment et puis voilà hein, tranquille. Le chat méga perle sans phosphate. Allez, on se fait une dernière bataille. Je commence à fabouiller, tu sais. À force. On se fait une dernière belle bataille. Et puis après, on se quittera là-dessus, je pense, les gars. Allez, nouvel objectif. Allez, on va remplir notre jauge de CF, bien sûr, les gars. Et à mon avis, il va être le faire, ici. Il me semble qu'il y en a un juste derrière, ouais. Ils font même pas un, ils sont 15, ils sont des millions, en vrai. Salut. Ouais, on aurait dû prendre quelque chose contre la foudre, hein, j'y avais pensé, mais je l'ai pas fait. Bon, voilà. Ouais. Ok Loïc. Ok, ceux-là ils sont quand même assez easy cacahuètes hein, maintenant. Ok pour toi. Donc, on commence à bien les avoir en main en vrai. Ça commence à être pas mal. Et là, on va y mettre un petit peu de bombes. Et je pense que ça devrait le faire. Petit coup de fatal. Un mot bloblin pour chasse, c'est vrai. Mais viens mon mot bloblin. C'est pas un problème, tu peux nous pourchasser. On va arriver à s'occuper de toi. Par contre, ah oui, non mais rendez-vous au point de destination, mais clairement. Bête, j'avais pas vu en fait. Il faut se bouger la nouille, c'est encore un temps limité. J'avais pas fait gaffe. Est-ce qu'on peut faire ça? Hop, comme ça et comme ça. Voilà, on va pouvoir le faire. Effectivement, là les gars. Ouais, 2 minutes encore. Allez. Voilà pour toi. Oh là, pourquoi? Mais t'es sérieux? Mais ça va pas la tête? Mais alors? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Et on s'est pas agressé là les gars. Je suis désolé, on s'est fait agresser, clairement. Le point de rendez-vous, je sais pas où est-ce qu'il est, mais on va y aller. C'est par ici. Ouais, d'accord. C'est pas par là, hein. Si, mais par ici. Ok. Allez, on va passer comme ça. Voilà. On fait le tour. Hein. On fait plus dans ce coin-là, en vrai. Hop, voilà. Il y a pas mal de trucs. Il y a pas mal de trucs, regarde. Par contre, là, il va falloir se... Voilà. Éviter de rester là quand il y a ces trucs-là, là, au milieu. Allez, nouvel objectif. Il est ici. Aïe, 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 aïe. Effectivement, j'ai boîte matinale, j'ai mal. Ce qui m'arrangerait, voilà, merci. Est-ce qu'on peut faire ça? Je pense que oui. Je pense que c'est valable en vrai. Tiens, tu dégages.
Mais on n'est pas bon, hein. J'arrive pas à voir, c'est derrière, c'est bon. Mais bon, je pense que c'est par là, mais non, pas autre chance. Voilà, je pense que c'est par ici, mais j'en suis pas sûr. Oui, c'est de là. Ok, on. Mais ça s'est joué de peu, hein. C'est tout ? Non, c'est bon. Ok, j'ai vu. C'est un mobloblin bleu celui-là. Ouais. Oh. Allez, petite bombe. On va essayer. On est coincé, on est coincé, on est coincé. Allez, on fait une petite ulti ici. Voilà, un petit coup ici, pareil. Et je pense que normalement, j'aime bien comme ça fait sur la carte. Il y a, t'as l'impression que t'as picolé. Allez, hop. Ouais, mais c'est tellement... Alors, je vous avouerai que le saut mural, là, il nous pose problème. Ça. Hop, putain. Il est tellement costaud le mobleu, le gars là. Allez. Est-ce que c'est bon ou pas? Ouais, c'est bon. Un petit coup de fatal et on est bon pour l'inox. On va s'occuper du reste et normalement ça devrait être bon pour là les gars. Allez, easy cacahuète. Lanzoran, rat dans d'inox. On le inox, pardon. Ça commence à être bien là. Ok. J'avoue que deux heures de live là-dessus, c'est fatigant. Je sais pas comment ils font les mecs pour live des heures et des heures là-dessus. En fin de journée, comme ça, quand tu t'es levé à 6h, je trouve que ça tape un peu en vrai. Ça pique un peu les yeux, évite les nœuds, tu sais. Mais il est tellement bien, il est vraiment, vraiment tellement plaisant. Ok, on a redécouvert d'autres choses. Alors, bim, on va acheter ce qui nous manque ici. Qu'est-ce qui nous manque? Les baies, bien sûr. Les baies, il en faut des millions, en fait, de ce que j'ai vu, il me semble. Il nous en faut un peu des millions, des baies, là, j'ai l'impression, les gars. Alors, on a... Il y a encore quelque chose, là? Pardon. Pardon, mais j'ai... J'ai pas pris les baies. D'accord. Autant pour moi. Mais disculpe pas. Ouais. On a fait des bêtises. Ok, ça c'est bon pour là. On va regarder. Alors, il y a la marmite qui chauffe. On va regarder ce que c'est. Alors, récompense un pot-au-feu d'Adélia. Bien sûr qu'on va le prendre, le pot-au-feu. Je suis en train d'en faire un là, en fait, des pot-au-feu. Si, deux pot-au-feu, si ça vous dit, les gars. Ok pour la petite recette. Alors, ça nous donne quoi? Ça a remplissage de... Ah, plus 12% de la CF. Ah, c'est valable, hein. Vraiment les gars, ça c'est parfait ça. Ça va être que du bonheur. Est-ce qu'on a d'autres choses? Yes, on a quelque chose ici. On a de l'autre côté aussi. Allez, oui pour toi. Je me charge de la prochaine bataille. Allez, un petit combo pour Sidon.
Décidons balader avec vous. Ok, on a autre chose ici. Eh ben écoute, oui, sabot de Linel, bien sûr. Bien sûr du sabot de Linel. Tiens, il y en a un petit peu. Il y en a un petit là-bas. Regarde. Il me semble qu'on a vu ça. Où est-ce que j'ai vu la bataille là? Tiens, on va faire celle-ci, les gars. Et après on se quittera là. Alors du coup on va prendre du plat, ouais. On va prendre du plat pour du électrique. Y a-t-il un plat pour du électrique? Je crois que oui. Anti-food, non, anti-glace, là. Anti-feu. Et non. Anti-foudre, regarde, bim. On va cuisiner ça et on va faire peut-être, hein, peut-être. 10% de dégâts plus infligés ou 5% de dégâts en moins causés par les ennemis. Tablette Sheikah, ça nous aide pas. 5% en moins pour les ennemis, ouais. Est-ce que fais voir le pot-au-feu. Allez, viens, on va se faire le pot-au-feu, comme ça on verra bien, les gars. Ça va être pas mal. On essaye. On cesse le pot-au-feu. Bim. Et on est parti. Enfin, on upgrade un peu notre bonne Mifa. Hein. On reste un petit peu avec elle. Et après, on s'arrêtera là pour ce soir. Les lives sont un peu tronqués. D'habitude, on est en live tous les jours de la semaine, mais là j'avoue qu'avec les vacances de Noël, on fait une petite entorse à notre planning habituel. Il reprendra peut-être peut-être à partir du 4, il reprendra normalement à partir du 4, hein, lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, toute la matinée. Allez, c'est parti. Oui. Père la galère, je viens de comprendre comment ça marche. Les lire dans le phénix. Ah oui, alors il m'a semblé que j'avais compris comment ça fonctionnait. Il faut faire les petites lires. T'as des coffres avec des lires normalement quelque part. Salut maman, il fait des coffres, il faut lui dire maman c'est quelqu'un pour toi. Et du coup tiens, tu dégages et après tu peux t'en charger. Hop, fais voir. Voilà, on va lui rebalancer ça. Et donc du coup après tu peux, il faut récolter les lyres qui sont les toutes petites notes qui sont dans la région. Et une fois que tu as récolté ces notes-ci, normalement tu vas à la grande lyre et je crois que c'est ça. Hein. C'est ce qui me semblait, mais après je suis pas sûr que ce soit vraiment ça. Alors éliminer les mokobim noirs. D'accord. Ah oh, salut. Oh, mais non. Oh, mais il est trop beau. on s'est jamais frappé un comme ça. Est-ce qu'on peut faire ça? Je pense que oui. Par contre, voilà. Et c'est dommage. C'est dommage, il a tenté le mec. Alors, mais je savais pas comment activer la grande lyre. En fait, il faut jouer sur les cornes en tirant de l'arc dessus, c'est vrai? Ah bah je savais pas. Ok, bah comme ça au moins. Tu me le répéteras hein, quand je serai en live dessus parce que je m'en souviendrai plus. Mais clairement, punaise, c'est génial. Quoi, c'est tout? Non. D'accord. Allez, on va ouvrir ça. Sous le soleil des tropiques. Et ouais, c'est que des noirs en fait de Moblovine. Et les argentés aussi j'aime bien, ils sont assez hauts en level et ils sont assez plaisants. Mais Mifa, là, le gameplay, le meilleur gameplay du monde, je te jure, il est tellement bien son gameplay. Allez, on va quand même passer de l'autre côté, hein. il faut y aller. On n'a pas de temps par contre, donc on peut peut-être se donner un peu de plaisir là, tu sais, à traîner un petit peu dans le jeu en fait. Sans chaos. Sans carreau, on est bien triste hein, les gars, clairement. Allez, fais voir. Est-ce qu'on passerait de l'autre côté plutôt ou on va choper les autres? Oh, elle est là, tiens, regarde. On fera le tour après. Salut! Alors, on peut regrimper par là, je pense que c'est ce qu'on va faire puisqu'il y a du monde. Ah oui, génial! Alors, fais voir, juste comme ça. Et après, il faut se barrer de là avant que ça pète. Non! Mais zut Loïc, quelle nouille! Tu sais,
J'ai fait ça exprès en fait, hein. Mais mal. En vrai, je l'ai fait exprès, mais mal. C'est pas grave. Attends, on refait le tour, comme ça on se les déglingue tous. J'aime bien quand... on va m'appeler Pizorno, tu sais, j'aime bien quand le travail il est bien fait en fait. Alors, c'est un souris... arrivé jusqu'à la pointe, ah, zut. Ah oui, mais du coup, il est... Du coup... Ah ouais, du coup, tu vois, ça c'est vraiment le pas le meilleur des trucs. Viens, on va repasser par là, dans son camion même. Mais tu vois, il va rester là parce qu'il y en a un, quoi. Au lieu d'avancer. Allez, dégage. Merci. Ok, on peut y aller maintenant, ou pas? Oui, on peut y aller maintenant. Parce que s'il m'avait dit ou pas, on aurait été fâchés, les gars. C'est si long. Balader avec vous. Nous, les lives, on s'en fout. Alors, il y a un magicien par là où j'ai rêvé. Oui, non, j'ai pas rêvé. Et on y fonce droit dessus, bien sûr. Hop, tiens, tu dégages. Ouais, bien joué, Loïc. Puis tu... Voilà, si on cible, c'est mieux. C'est toujours mieux si tu cibles le bonhomme, Loïc. Mais du coup, je suis curieux de voir ça, ma clé. Est-ce que tu en fais dans la semaine, là, un petit peu, ma clé? Parce que moi, je suis puni. Ma femme, elle m'a puni de live le restant de la semaine, tu vois. Donc, mais si tu en fais, j'aimerais bien regarder comment tu fais. Parce que comme ça, ça m'évitera de passer pour une buse la prochaine fois. Et en fait, j'ai trouvé le... Hier, on a fait mais un live mais de toute beauté, comme dirait l'autre. Mais pas jusqu'au bout. Mais malheureusement, pas jusqu'au bout, les gars. Non, sérieux. Attends. Ouf. Naze. Ok. Mais ouais, pas jusqu'au bout. Tiens, tu te calmes. C'était dommage parce qu'il y a une énigme. La dernière énigme, là, je l'ai pas comprise du tout. Alors que les autres, elles s'étaient plutôt bien passées, même si elles étaient pas super simples. Aïe. Aïe, mais ça va, oui. Mais tu te calmes. même si elles n'étaient pas super... super nickel, quoi, mais... Bon. Allez, il y a Jean-Maurice qui fait des siennes, donc on va le stopper là. Alors, je pense... Mais si... Ça va. Attends, hop, voilà. Moi, je sois concentré sur ton live la prochaine fois pour les énigmes. Mais ouais, écoute, la dernière, mais infaisable. Et il me semble que j'ai compris, mais j'en suis pas tout à fait sûr en vrai. Mais il me semble que j'ai compris. Ouais, allez, bien. Mais ouais, il me semble... Mais il me semble que j'ai compris, en fait, l'épreuve, mais peut-être pas, tu sais. Mais la dernière, elle était vraiment terrible. Clairement. La dernière était vraiment terrible, terrible. Mais après, punaise, je le trouve bien, je sais pas vous, mais... Mais moi, je l'ai trouvé, mais vraiment super, ce jeu-là. Allez, petit coup fatal. Donc là, on a éliminé deux, il y en a deux en suivant. Non mais sinon, mais laisse mon sinon. Je vais te faire ça aux petits oignons, mon sinon. Alors tant, tu sais, il y a une chauve-souris, il avance pas, et puis là, maintenant... Non, sérieux, où tu vas? Ah, mais t'es fatigant, mon grand. Putain, ça c'est déconné. Il y en a deux, tu sais, retardataire, il revient en arrière, il avance pas. Allez, Mobloblin noir, ici. Ah putain, il y a un sorcier avec. Alors ça nous arrange pas, les gars. Ça nous arrange pas, clairement. Allez. Alors, ma faute. My bad, c'est ma faute, j'avoue. Voilà, c'est mieux si je switch le bon. C'est quoi que tu veux? Je vois pas. Ah si, c'est ça. Voilà. Alors désolé hein, pour le chat, je suis à vous comme la sardine est à l'huile, mais bon. En fait, c'est le magicien qui me casse les pieds.
Mais c'est pas très très grave, hein, mais c'est juste qu'il est il est un peu embêtant. Il va falloir qu'on s'occupe de lui, mais juste après mon Blobline, enfin, si on arrive. Hop, dommage. Je pense qu'on peut faire un truc. Ouais, quand il ne met pas du sien, tiens, faut voir. Petit coup de foudre fatal et puis on ira s'occuper du mage. Zicien, du magicien. Ouf. Ouf. Il s'appelle Ouf. Ok, Punacidon, il est efficace quand on, en vrai. Bah, tout droit. Hein. Un linel de foudre. Ah, mais c'est que du bonheur. Hop. Putain, j'ai pas le temps. Sérieux, sérieux, je l'ai pas vu venir. Juste, t'en ai pas vu. Allez, tu dégages. Il est tellement fort celui-là. Mais ça va pas la tête. Mais tu te calmes, oui. Allez, tu prends ça. Allez, on va lui faire très très mal, je pense. Faire du rodeo sur le dos de papa. Non, tellement, il est tellement vif. Sérieux? Non. T'as mémé. Allez. Le linel de foudre, il est goldé, le mec. Ok, on l'a eu. Ouais, ça va lui descendre la vie. Un petit peu, ce sera pas mal. Est-ce que tu crois qu'on peut faire un truc dans ce goût-là et un truc dans ce goût-là? Est-ce que ça fait quelque chose? Oui, c'est quand même pas mal. Il aime pas bien quand même, hein. C'est pas mal. C'est vraiment bien. Vraiment, vraiment. Ok, on a compris. On a compris la technique maintenant. Donc, on fait ce qu'il faut. Ok. Par contre, ça a pas fonctionné. Donc, dans l'autre sens. Oh putain, l'esquive. Alors, y a rien, les gars. Ouais, belle esquive quand même. Auto-congratulations les gars. Alors là par contre on va morfler puisque j'étais en l'air. La faute à la gravité. Allez, c'est bon. On est parti. Tu dégages. Ça dégage. Voilà. Eh bien écoute, on a eu nos sabots hein, finalement. Et on va s'arrêter là, nous, pour ce soir, les amis. Ça fera 2h38 de live, je pense que c'est bien. Mais on a eu ce qu'il nous fallait, je pense. On va regarder ce que ça donne sur la carte, et puis après on s'arrêtera là. On se retrouvera donc que dimanche. Alors, normalement, je pense que je pourrais vous faire un live en scred jeudi matin. Mais je sais pas tout à fait l'heure. Mais bon, on se retrouvera, je pense, pour un petit live tranquille. C'est possible. Ouais. Ouais, quand même. Allez, on a pas mal de trucs. Est-ce qu'il y a ce qu'il faut ou pas? Je ne sais pas, mais on a quand même pas mal de trucs. Qu'est-ce qui nous manque là? Fais voir un petit peu. Il nous manque un certificat de l'INEL. Ok, bah écoute, on ira le rechercher, hein, le certificat, sérieusement. Et puis après, je pense qu'on est quand même pas mal là au niveau des choses. On a pas mal rempli. On, on,
on switchera sur l'aventure la prochaine fois, bien sûr. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, pardon les amis. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite à tous de passer une très très bonne soirée. On se retrouve bien très vite pour de nouvelles aventures dimanche à 14h les amis. Et puis, c'est à moi que ça fait plaisir, ma clé, tu sais. Et ouais, dimanche c'est 14h. Clé sera là. Je sais pas si tu es là pour la totalité. Merci pour les points de chaîne de verser. Et on se fera le défi des galériens un tout petit peu plus tard. Même s'il sera pas validé, c'est pas très très grave. On fera des cadeaux. Je ferai un petit cadeau à tout le monde. J'offrirai des abonnements aussi à la chaîne. Enfin, on va se faire une belle fête entre Noël et Jour de l'An. Alors il y a le live de Noël pour dimanche, mais on se fera aussi un autre truc avec le jeu concours justement qui va popper, qui va vous permettre de gagner une carte Steam ou une carte Switch pour ce que vous voulez un petit peu. J'irai chercher ça. Et puis on organisera un petit tournoi, je sais pas de quoi, mais on verra, peut-être de champ ou une connerie comme ça. Enfin, on verra. Je suis pas fixé, je vais vous organiser ça aux petits oignons, les amis. Enfin, je vais essayer. J'espère toutefois que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous remercie et à très très vite, les amis. Bye bye. Une très très bonne soirée. Ne quittez pas. On va faire un raid, même si on n'est pas beaucoup. C'est essentiel. Il faut le faire. Bye bye. Ok, bah écoutez, on va aller voir mon petit doigt. Il est sur du cyberpunk. Je vous embrasse très fort. Restez pour le raid. Et puis après, si vous voulez partir, c'est pas grave. Mais au moins, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien au streamer. Et puis c'est très sympa. Et puis c'est la base et le but de Twitch. Sinon, on fait YouTube et on reste dans son coin. Allez, des bisous à tous. Ciao, ciao, merci. Et bisous à Chacha, ma clé. Bisous à tous.